dans à 5 heures de l'arrivée, on sort à 5 heures de l'arrivée des cellules courses, étant de récupérer en quelques heures. Et ouais, je
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le direct de cette cinquième et dernière étape de l'Imbugey Valremier Tour, la course référence des U19, des juniors, U19 étant la nouvelle appellation de cette catégorie junior. Nous partons de Yenne en direction du Grand Colombier, le géant du Jura qui accueille l'arrivée. Alors le Jura, je parle bien entendu du massif puisque nous restons dans l'Ain, nous partons de Savoie aujourd'hui. Sur la commune de Yenne, on va avoir le réel dans quelques instants. Saluer les officiels qui sont aux côtés de Jean-Marc Vivier pour cette cinquième et dernière étape. On va vous présenter dans quelques instants, après le départ réel donc de cette étape, le profil du jour. Donc courte étape, hein, 87 km 900 avec 4 classements de la montagne. Il y aura la première difficulté du côté de Saint-Jean-Chevalier. L'ascension de la montée de Chevigny également interviendra avant le Colombier. Deux ascensions au début d'étape sur la route du relais qui sera la première difficulté. Classe en troisième catégorie, deux côtes classées en deuxième catégorie. Et puis ensuite, donc, l'ascension du Grand Colombier qui sera faite par le versant le moins connu, celui d'Anglefort, mais le plus pentu. Le plus pentu, donc 7,77% de moyenne avec des passages à 14%. On parlera du Grand Colombier tout à l'heure, on vous présentera ce géant alors qu'on voit Jean-Marc Vivier aux côtés des officiels pour le départ. Un départ qui est quelque peu retardé puisqu'un coureur a été victime d'un incident mécanique dans le fictif, ce qui explique donc qu'on tarde à lancer l'étape. Là aussi, c'est un petit point de règlement lorsque les coureurs sont comme cela, victimes d'un incident mécanique dans le fictif. On attend que tout le monde soit rentré, bien entendu, pour lancer la course. Le temps pour nous de rappeler que Ilian Alexandre Varoubi, le coureur suisse de la région de Fribourg, s'est emparé du maillot jaune hier soir après sa belle quatrième place. On reviendra sur l'étape d'hier qui a marqué tous les sueurs, marqué les coureurs hein, qui, hier soir, étaient certes éreintés, fatigués, rincés après cette étape, mais ô combien heureux d'avoir participé à cette formidable étape longue d'un peu moins de 125 km qui restera dans toutes les mémoires à cette arrivée. À plan d'automne, après près de 3000 mètres de dénivelé positif, 2860 mètres exactement, et qui a vu la victoire d'Andrew Auguste, le coureur américain, qui du coup se retrouve deuxième ce matin au classement général, à une petite seconde d'Ilian Alexandre Varoubi, qui s'est battu jusqu'au bout. On rappellera que le Suisse était le mieux classé dans le groupe de tête qui s'était constitué à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Il a été décroché à plusieurs reprises et au revenu tout proche, une fois, il aurait pu complètement lâcher dans sa tête et craquer physiquement. Ça n'a pas été le cas, il s'est battu jusqu'au bout. Et puis, il a profité d'un replat dans le final à un peu moins de 2 kilomètres de l'arrivée. Puis, il profite également du marquage entre André Auguste, Paul Sexas et Jean-Loup Fayol qui se disputaient le maillot jaune et la victoire. Alors, pensez pour le maillot jaune, André Auguste et Paul Sexas. Mais Ilian Alexandre Varoubi a réussi donc à rétablir la situation dans les tout derniers kilomètres et s'emparer donc de ce maillot jaune. Alors ça tarde un petit peu du côté du départ et je vous propose de voir le profil de l'étape pour commencer. Voilà, le profil de l'étape, c'est clair, c'est un final en altitude, un final en côte avec cette ascension du col du Grand Colombier. On rappelle qu'on est à 1501 mètres d'altitude et il y a des pourcentages très marqués sur le pied de l'ascension. Et les coureurs donc, qui retrouveront la route qu'ont emprunté les coureurs du Tour de France à 9 km de l'arrivée, puisque ça fait partie de l'une des variantes. À Anglefort, on retrouve la route qui part de Culosse pour la montée sur le Grand Colombier à 9 km de l'arrivée. Vous le verrez tout de suite, hein, on verra des routes qui sont maculé de peinture et avec les noms et prénoms des coureurs qui animent ce Tour de France, ce sera très clair lorsqu'on retrouvera les routes à 9 km de l'arrivée. Allez, le départ dans quelques instants semble imminent désormais. On attend Tom Darmini qui a été victime d'un incident mécanique, le coureur de Bourgogne-Franche-Comté que nous avions en interview hier matin. Et qui tarde à reprendre sa place dans ce peloton pour le Grand Prix SME.
alors que vous voyez à l'écran le classement général qui a été établi hier soir. Il y a Alexandre Barou, leader, Andro Augustin, 1 seconde, Paul Sexas à 20 secondes, Duarte Marigouette à 38 secondes, deux coureurs de coéquipiers d'Ilian Alexandre Barou, Miomas Parfait, Milan Doni. Il y a un beau coup tactique à réaliser aujourd'hui pour la formation AG2R Citroën U19. Donc Aubin est 5e à 44 secondes, Milan à 46 secondes. Jacob Busch, le coureur britannique, est en 7e position à 1,12. Gauthier Sarvan, qui est pour EFC 8e à 1,16. Vincent Baudet, non, ça c'est l'arrivée de l'étape d'hier. Vincent Baudet n'est pas dans le top 10 puisqu'il a été victime des incidents de la deuxième journée. Donc Jacob Busch, Mika Wijvenkel donc est à 8e. Théodore Clemensen, l'ancien milieu jeune du Team Autoéder, est 9e à 2,11. Et Baptiste Grégoire, 4e coureur d'AG2R Citroën U19, est en 10e position à 2,26. Si l'on regarde les coureurs français et les coureurs qui ont déçu hier, on va parler tout d'abord de nos Français. Donc nous avons Vincent Baudet qui occupe une belle 24e place au général après ses déboires donc des deux premiers jours. Un peu plus de 4 minutes. Maxime Decomble, lui, perdu beaucoup de terrain. Il est à 3,30 en 18e position. Et puis, si l'on regarde Jean-Loup Fayol, qui est remonté de la 75e à la 31e place, certes toujours à plus de 7 minutes du leader du classement général. On rappelle que Jean-Loup Fayol, 3e de l'étape hier, avait perdu du terrain déjà dans le contre-la-montre, puisque l'équipe de Charles Chavagneux avait été victime d'une chute et a perdu beaucoup de terrain suite à une crevaison dépannée très tardivement le deuxième jour et est rentré à plus de 5 minutes. Sinon, il aurait eu son mot à dire pour une place sur le podium vu la prestation d'hier. Et puis parmi les déceptions, on a celle du champion de Belgique, vainqueur de la classique des Alpes, Arnaud Villard, qui a fini à plus de 19 minutes. Apparemment, le Belge n'a pas du tout la même forme qu'il avait il y a un mois de cela. Il occupe la 62e place du classement général à plus de 19 minutes. Et puis nous allons terminer notre présentation de l'étape en saluant les coureurs d'ASC Monster, les coureurs donc qui nous viennent d'Indonésie et qui découvrent les routes de l'Inde alors que le départ est donné à l'instant même. Et les coureurs d'AC Monster sont certes à plus de 45 minutes au classement général, mais sont encore présents dans ce classement. C'est parti pour un peu plus de 87 km de course aujourd'hui. Nous montons en direction du Grand Colombier. Donc Yann Anglefort Grand Colombier avec, on le rappelle, deux sponsors, l'étape SME ainsi que l'agence de publicité 6ème Sens, partenaire donc de l'un budget Valorant des Tours. Et de nombreux cyclistes qui nous ont rejoints au sommet du Grand Colombier. Vous avez tout de suite les images donc, de cette ligne d'arrivée alors que nous retrouvons le profil de l'étape du jour. Comme l'avons dit, Yen, trois ascensions répertoriées dans la première partie de l'étape. Avant d'aller chercher donc Anglefort et à ce côté, donc ce versant, le plus difficile pour monter vers le Grand Colombier. Alors, longer culose, passer de l'autre côté du Rhône, aller chercher la côte de Servières en Chautagne. Et ensuite, voilà, traverser Seyssel et puis redescendre plein sud en direction d'Anglefort et donc d'attaquer ces versants, donc ce versant du Grand Colombier est arrivé à 1501 mètres d'altitude, dénivelé positif de la journée, donc 1485 massif du Jura. Voilà le programme de la journée. Et nous parlions du Grand Colombier. On rappelle que vous avez une association qui s'appelle les Fêlés du Grand Colombier. Et vous pouvez être dans cette association à partir du moment où vous montez dans la même journée deux des quatre versants de ce Grand Colombier. On rappelle que vous avez le versant côté Artemar, versant qui présente les pourcentages les plus forts. Il y a un passage à 22% quand vous montez par Artemar. Vous avez ensuite la montée par Champagne en Valromé. Et puis les deux plus célèbres, enfin la plus célèbre, celle qui passe par Culoz. Et puis donc cette variante Anglefort
avec des rampes très prononcées dès le début de la journée. Et ensuite, on reprend la même route que Culoz pour en terminer dans les 9 derniers kilomètres. En ce qui concerne les 4 versants, vous avez une belle vue sur la vallée du Rhône. On rappelle que lorsque vous êtes en haut de ce grand colombier, vous avez une vue sur le lac du Bourget, sur le défilé de l'Écluse qui marque la frontière entre Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, qui marque également la frontière donc entre le Jura et l'Ain. Vous avez une vue sur Genève, et puis lorsqu'il fait vraiment très beau, vous avez une vue sur les Alpes bernoises. Et puis si vous allez de l'autre côté ouest, vous avez une vue sur toute la région donc, de l'Ain, de Culoz, d'Artemare, et puis sur le Valromé, bien entendu, sur le plateau du Rotor, où nous étions hier pour la ligne d'arrivée. Et l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, ce sont les réseaux hein, qui sont assez capricieux sur ces premiers kilomètres et puis sur la montée du Grand Colombier. Ça va nous faire un petit peu de radio aujourd'hui. Et on rappelle que c'est l'étape la plus courte, 87 500 km, donc qui sont au programme sur cette étape. On parlait du classement général des 10 premiers, donc qui se tiennent un petit peu moins de 3 minutes. Et puis il y a surtout ces 4 coureurs de la formation AG2R C3U19 qui sont présents dans ce top 10. Il y aura une belle course tactique sans doute à réaliser pour cette formation qui tourne après la victoire depuis l'ouverture de ce Valromé avec des places de 2e, 3e. Hier, ils ont encore réussi à faire 4e, 5e et 6e, mais sans venir mettre la balle au fond, comme ils disent. Voilà donc la formation qui porte malgré tout le maillot jaune, alors que nous voyons le peloton. Départ, on va dire, assez tranquille, hein, pas beaucoup de velléité d'attaque. On voit le maillot rouge à pois blanc de Mille Déclenches avec la formation auto-EDR qui est présente. Le comité de Bourgogne-Franche-Comté, formation auto-EDR qui a tout perdu hier hein, et qui était bien placé au classement général. Clément Sen a rendu les armes dans les 15 derniers kilomètres. Paul Fritzke, que nous voyons à l'écran, est désormais 14e à plus de 3 minutes. Clément Sen est toujours le mieux placé, bien placé au classement général. Et puis Duarte Marie-Louette, le Belge, lui est 4e à 38 secondes. Donc il aura également une belle carte à jouer. Et c'est la formation auto-EDR qui a décidé, un peu comme hier pour la formation AG2R Citroën du 19, et bien d'harceler le leader et l'équipe du leader dès les premiers kilomètres. Nous rappelons que la formation AG2R Citroën du 19 a tout de suite mis le feu aux poudres avec Loïc Boussmaer dans un premier temps. On a eu ensuite l'attaque d'Iliane Alexandre Baroui et puis Milan Denis et Aubin Sparfel qui se sont joints à la bagarre. Donc, dans le final de l'étape, on a l'équipe de France qui est présente dans ce groupe, on a la Bourgogne-Franche-Comté, on a deux coureurs d'auto-EDR qui sont présents, peut-être Martin Barta qui accompagne Fritzke pour cette première offensive. Le temps qui n'est pas très loin hein, des 4 coureurs qui tentent leur chance dans ces tout premiers kilomètres de cette étape. Alors je ne sais pas si la régie peut faire quelque chose, mais sur le live on nous annonce un petit décalage de micro, donc ce sera à confirmer dans quelques instants. Voilà les 3 premiers attaquants, le coureur Bourguignon est rentré dans le rang. Deux coureurs d'auto-EDR, dont Fritzke, donc l'allemand, qui sont dans ce premier groupe, un coureur de l'équipe de France. Et les 3 hommes qui semblent arriver à fausser compagnie au peloton. Vu le gabarit, il me semble reconnaître Théodore Clément Sen, hein, quand même celui qui portait le maillot jaune. Donc Clément Sen, 9e du classement général.
On le disait, la formation Eto'o-Enea qui reprend quelque peu la tactique de la formation AG2R Citroën U19, qui a tout intérêt à attaquer en début d'étape. Théodore Clemensen, donc le 9e du classement général. Fritz Koe, l'Allemand, du côté français, n'a plus grand chose à jouer au classement général après les 4 premières journées, puisque le mieux placé du classement général est Gabriel Hébert, qui est 40e à plus de 9 minutes. Alors c'est pas Clemensen, mais ce serait Marigouette qui serait à l'avant, donc là ce serait encore plus important, puisque Marigouette est 4e du classement général à 38 secondes. Et puis côté français, peut-être Elliott Boulet qui est également aux avant-postes. Fritz Koe, Clemensen, Boulet qui serait donc la composition du groupe. Voilà, c'est confirmé à l'instant même. Dirk Marigouette, donc le leader de la formation Eto'o-Enea, qui est tout de suite en action. On pensait que tactiquement, c'est intéressant peut-être d'envoyer Clemensen, et bien on a décidé d'envoyer Dirk Marigouette, qui était assez, un petit peu en retrait hier dans l'ascension. Il faudra peut-être prendre un coup d'avance pour le coureur belge, qui a été deux fois champion belgique du chrono, qui s'était illustré également sur les championnats d'Europe, qui avait gagné sur le Tour du Pays de Vaud, qui avait gagné sur la course internationale de Côte Butte, une étape, c'était l'année dernière. 4e du classement général, c'était entendu le leader de la formation de Christian Schrott. Il avait terminé 7e également sur les routes françaises de la Classique des Alpes, alors que les coureurs sont déjà dans la première difficulté, la Côte du Relais, classée en 3e catégorie. Marigouette qui se retourne, Fritz Koe. Elliott Boulet donc en compagnie des deux coureurs de la formation Eto'o-Enea. Alors on rappelle que cette équipe de France, la sélection s'est faite sans les coureurs des formations qui étaient invités, donc pas de la G2R Citroën, pas de coureurs de Villefranche notamment, puisque le règlement interdisait d'avoir un coureur sélectionné et en même temps le club auquel il appartient. Donc il a fallu faire des choix en ce qui concerne l'équipe de France. Et il y a tous les coureurs de Plancoët qui s'étaient distingués sur le centre Morbihan. Essayez de changer de casque. Voilà, on va essayer de changer de casque puisqu'apparemment on a un décalage de notre son. On essaie de trouver le pourquoi du comment. Alors les trois hommes, toujours Dirk Marigouette, Fritz Koe l'Allemand et Elliott Boulet le Français. Ouais, le peloton n'est pas très très loin et on devrait trouver dans les premiers rangs du peloton la présence également de Victor Vandegoot. Qui porte ce maillot rouge donc à poids blanc du classement de la montagne. Boulet, Marigouette et Fritz Koe, toujours quelques secondes d'avance sur le peloton. Petit clin d'œil pour ce classement de la montagne, donc Victor Vandegoot qui a défendu son maillot, qui semble bien parti pour remporter ce classement de la montagne. Alors, j'ai envie de dire que si on regarde le classement, la principale menace serait Andrew Auguste ou Paul Sexas, qui ont 26 et 24 points. Il y a 20 points en haut du classement du Grand Colombier, mais ce sont des garçons qui ne devraient pas disputer les sprints et les points en haut des trois premiers grimpeurs. Donc pour Vandegoot, c'est bien parti. Et puis petit clin d'œil à cette formation Kramer-CC Chevilly, déjà très professionnel. Victor Vandegoot, j'espère que vous aurez voir en 3, 4, 8, 9e position du peloton. Hier avait un cuissard,
aux couleurs de son maillot du classement de la montagne, donc cuissard spécial de la formation de Cheville. Donc, alors que les trois hommes sont en train de devoir revenir le peloton, et c'est tout simplement la formation AG2R Citroën U19, la formation Voironnaise qui est en train d'emmener le peloton, un peloton très étiré. On avait des coureurs très fatigués hier soir au terme de l'étape 4, et ça part très vite encore aujourd'hui. Peloton extrêmement étiré, et donc la formation Voironnaise qui emmène, et c'est Mathis Grisel avec son maillot vert en personne. Voilà, alors que Fritz Keuss s'est écarté, c'est Mathis Grisel, deuxième et troisième d'étape sur ce Valromey, qui se mue en équipier et qui est en train de revenir sur la tête de course. Je vais remercier tous ceux qui nous suivent, puisque le micro semble marcher désormais. Alors nous, on a perdu complètement notre retour, donc ce sera un petit peu plus compliqué pour en ce qui nous concerne, mais le son semble aller nettement mieux. Échappée terminée sous la conduite des coureurs de la formation AG2R Citroën U19, qui sont revenus donc sur le groupe qui s'était constitué. Marivouette donc a été repris, maîtrisé donc par la formation AG2R Citroën. On voit déjà Paul Sexas, le maillot blanc aux avant-postes. Nous voyons également Hélène Alexandre Baroumi avec son maillot jaune autour de ses coéquipiers de la formation. Voilà donc le peloton sous la conduite donc de Mathis Grisel. Mathis très déçu, bien entendu, après entre guillemets son échec le jour de ses 18 ans, 14 juillet aux Avenières. On rappelle la scène, hein, emmené par toute l'équipe dans le final de l'étape. Mathis a été victime d'un saut de chaîne à peu près 150 mètres de la ligne. Il y avait une cuvette, on traversait une rue, un carrefour, donc où il y avait une sorte de trou donc sur la chaussée, et bien sa chaîne qui était sur le grand plateau a basculé sur le petit plateau, et bien il n'a jamais pu reprendre la vitesse qu'il avait, bien entendu, et a vu deux coureurs le dépasser. Le jour de ses 18 ans, il aurait pu signer un beau succès sur la route de cette Imbugé Valromey Tour. Également les coureurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux avant-postes, on distingue Louis Chaleil qui est présent. Sélection Auvergne-Rhône-Alpes avec Rémi Arsac, le mieux placé, 37e à un peu plus de 8 minutes. Louis Chaleil, lui, est en 42e position. Et décidément, l'équipe de France qui a décidé de peser sur cette dernière étape. L'équipe de France qui semblait un petit peu en dedans depuis 4 jours. Alors, on va sans doute chercher les points. On voit Victor Vandécoute qui est en 3e position du peloton. Victor Vandécoute a fait ses comptes, voilà, il y va le champion belge. Il sait que s'il prend des points dans les trois premières ascensions, il pourra savourer avec son maillot de la montagne les dernières ascensions. Et puis j'ai presque envie de vous dire que s'il marque des points sur ce premier classement, ce sera quasiment un maillot rouge à pois blanc assuré. Vandécoute revient sur le coureur de l'équipe de France qui tentait sa chance. Et regardez ce que je vous disais, hein, le cuissard assorti à son maillot. Cuissard blanc à pois rouge pour Vandécoute, voilà, qui vient de passer alors qu'on nous annonce déjà des coureurs en grande difficulté à l'arrière du peloton. Maël Pibolo pour Bourg-en-Bresse, Eneko Arndt-Garen pour la formation Guipuzco AO, Mansur Bessenbe pour Vino Junior, Alex Fares, formation espagnole, Martin Laurençon pour Aura, Romain Diric, Nathan Hainaut, Marianne Gauthier également, qui est en difficulté, Quentin Belleg, Luc Fetzer pour les États-Unis. C'est important ça par contre, Luc Fetzer, coéquipier d'André Auguste, qui est déjà décroché. Alors on a une question, quels sont les favoris du jour, posés par Baptiste Dagon. Oui, mais je pense que vous avez une partie de la réponse, alors que c'est Arthur Blaise, le double vainqueur de la route d'Éol, coureur francilien qui est sorti. Vous avez déjà une partie des réponses qui sont données par d'autres internautes qui nous suivent. Oui, André Auguste, Paul Sexas, Jean-Loup Fayol, tous les premiers de l'étape d'hier et tous les premiers du classement général sont les grands favoris de l'étape du jour.
car il n'y a que 87 km hein, aujourd'hui au programme, donc difficile pour les non-grimpeurs ou les baroudeurs ou ceux qui sont loin au classement général de creuser un écart significatif et important avant le pied du Colombier. Et on peut penser qu'avec une explication au sommet, ça va monter très vite dès le pied. Et bien les favoris devraient naturellement émerger pour la victoire d'étape. Les points pour Victor Van Écoute. Arthur Blaise donc a pris la deuxième place. Victor Van Écoute qui remercie d'ailleurs Arthur Blaise de lui avoir laissé les points. Je pense que c'était condition d'entente entre les deux. Victor a dû lui dire tu me laisses les points et puis ensuite on roulera pour cette échappée. D'autant qu'Arthur Blaise n'a aucune intention de jouer le classement de la montagne. Il est bien entendu trop loin, il n'y a pas assez de points pour jouer la montagne. Et on avait envie de dire que Victor Van Écoute n'a quasiment plus d'adversaire pour ce maillot. Arthur Blaise, on le disait, double vainqueur de la Route des Halles, qui est l'un des beaux rendez-vous des courses fédérales du calendrier de la Fédération française de cyclisme. Ça a lieu au mois de mars dans la région de la Sologne. C'est lui, Maxime Petot et toute son équipe d'organisation. Et Arthur Blaise a réussi l'exploit de remporter cette course deux années de suite. C'est le seul à avoir inscrit son nom deux fois à cette course. Il y a deux chances, hein. Vous avez deux années junior, et bien lui a réussi le doublé. Et puis depuis, il a également gagné sur la Coupe de France junior une étape. C'était sur la classique d'or. Garçon, je le disais, qui court dans la région parisienne, puisqu'il porte le maillot traditionnellement de la formation d'Anthony Bercy Cyclisme. Voilà les deux hommes qui poursuivent leur échappée. On va très vite redescendre vers Saint-Jean-de-Chevelu où a lieu le premier sprint bonification. Alors là aussi, ça peut être intéressant pour le classement général. On rappelle qu'il y a 3, 2 et 1 seconde sur les 3 sprints intermédiaires. Et pourquoi pas les leaders venir se bagarrer pour ces bonifications. Arthur Blaise en première position, le maillot de la montagne devant d'écoute en deuxième. Et le premier écart qui nous est donné serait d'une vingtaine de secondes, alors que Arthur Blaise semble plus à l'aise dans les descentes que Victor Van Écoute. Le coureur français qui a pris quelques mètres d'avance sur le coureur belge. Alors je vais vous proposer de revenir sur l'étape d'hier hein, qui a été tout à fait exceptionnelle. On le rappelle, quelle bagarre dans les 30 derniers kilomètres entre tous les favoris. On avait eu Paul Sexas et Andrew Auguste qui nous ont répondu sur le plateau Black Hole en fin de direct. Et hier soir, on a eu la chance de retrouver le troisième de ce groupe d'échappés qui nous a tenu en haleine durant de nombreuses minutes. Alors on va essayer de le mettre en double fenêtre, peut-être avoir Jean-Loup Fayol dans quelques instants qui nous parlait bien entendu de cet échappé. Voilà Jean-Loup Fayol donc qui nous parlait donc de cet échappé et qui nous parlait également de ses ambitions. On sait que le classement général, eh bien, c'est cuit pour le courant de Charvieux-Chavagneux, mais qui a encore de belles choses à faire. Jean-Loup Fayol, à l'arrivée hier soir au plan d'automne. Jean-Loup, tu as tout essayé dans ces derniers kilomètres. Ouais, j'ai tout tenté. Je savais qu'au sprint, ça allait être très compliqué. Dernière difficulté, j'ai vu qu'il y avait vent d'eau, donc ça pouvait être favorable à une échappée. Mais c'est vrai que l'Américain et Paul étaient vraiment costauds. Ils ont réussi à répondre à mes attaques. Je pense que tactiquement, j'ai pas fait trop d'erreurs. J'ai pris de l'élan pour mon attaque et ça aurait pu marcher. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai essayé de me faire comprendre en anglais à l'Américain que j'étais super loin en général. Honnêtement, je sais pas s'il m'a compris. Donc... Ouais, parce que c'est lui qui est venu te chercher à chaque fois. Oui, après je pense qu'il y avait aussi les bonifs à l'arrivée pour son classement général. Donc c'est normal aussi qu'il m'allait me chercher. Puis une journée complètement dingue, hein, comme on en vit rarement dans une saison. Hein, tu l'avais coché celle-là, t'as pas été déçu. Ouais, c'est sûr, de toute façon aujourd'hui c'était une super étape. Il y avait tout pour une super étape. Je m'attendais à que la sélection soit un peu plus grosse après le col de Cuvilla. Mais c'est vachement revenu. On était un bon peloton en bas.
Mais après, ça a vraiment fait la sélection dans la dernière bosse. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret, je me suis fait plaisir. Et j'ai vécu des belles émotions. Ouais, et puis dernière chose, rassuré après deux jours un peu galère pour l'ouverture du Valromé, donc hyper motivé pour le Grand Colombier demain. Ouais, c'est sûr, parce que au contrairement de par équipe, ça s'est très mal passé pour notre équipe de Charvieux. La deuxième étape, pareil, la troisième, pareil. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de me remettre dans le droit chemin. Et j'ai jamais rien lâché, même quand j'ai été un peu distancé, je me suis vraiment remotivé pour rien lâcher tout simplement. Et voilà. On blesse seul en tête. Victor Vandécoute n'a pas pu suivre le coureur français dans la descente. On a vu que le grand gabarit belge avait du mal à suivre Arthur donc dans cette partie descendante. Et le deuxième de Liège-Bastogne-Liège junior donc est meilleur grimpeur de cet AMG Valromé Tour, a perdu le contact. On a eu le classement de la montagne qui nous a été confirmé. Vandécoute a pris les points devant Arthur Blaise et Théodore Clemensen, ce qui veut dire que Vandécoute est assuré de ce maillot du classement de la montagne. Il lui suffit entre guillemets de finir cette étape pour être assuré de ce classement de la montagne qui est entièrement mérité pour le coureur belge, très en vue durant cet AMG Valromé Tour qui a fait preuve d'une belle intelligence tactique hier en prenant ce groupe d'échappés dans le début de l'étape et en allant chercher 2 fois 15 points. On avait bien étudié le parcours du côté de la formation Crabé-CC à Chevigny. Ici le leader de cette formation, Yarno Vidar, a déçu un 62e après de 20 minutes au classement général. Il y en a un qui n'a pas déçu, c'est Victor Vandécoute, en vue durant les 5 journées et surtout les 4 journées en ligne donc de cet AMG Valromé Tour. Arthur Blaise donc toujours seul en tête. Voilà, longue partie descendante qui le ramène vers Saint-Jean de Chevelu où va avoir lieu donc le premier sprint. Alors il devrait empocher 3 secondes de bonification. Aucune incidence bien entendu pour Arthur qui lui ne joue que la victoire d'étape aujourd'hui. Puisqu'Arthur est à plus de 16 minutes au classement général. Par contre, il est intéressant derrière de voir si les leaders vont s'empoigner pour jouer les secondes de bonification ou si pourquoi pas Davide Donati va venir sortir du peloton pour aller chercher les points. Davide Donati, le vainqueur de la première étape en ligne de la deuxième étape de ce Valromé à Belley, défend lui aussi un maillot. Il y a des bagarres à tous les étages dans ce final de l'AMG Valromé Tour alors que Vandécoute est annoncé. Oui, la caméra qui hésite à se retourner, Vandécoute qui doit être dans le dos d'Arthur Blaise. Et un peloton annoncé en file indienne dans la descente, mais toujours à 25 secondes, ce qui voudrait dire qu'il ne resterait plus qu'une seconde de bonification à prendre. Arthur qui a jeté un rapide coup d'œil derrière. Pour voir peut-être Victor Vandécoute juste derrière le coureur français. Voilà, il s'est retourné encore une fois. Ah, il est là, le coureur belge, qui va sans doute pouvoir faire la jonction. Les premières motos annoncent le peloton que nous retrouvons. Peloton lancé à vive allure. 25 secondes d'écart donc au dernier pointage entre le duo de tête qui devrait se reconstituer. Qui nous dit un gabarit à la Hélisson pour Jean Bouffayol. Oui, c'est vrai que c'est pas le plus grand du peloton. C'est pas le plus lourd également. Hein. C'est vraiment un gabarit de poche. Un peu comme André Auguste que l'on voyait sur l'homme traîneur juste derrière Jean Bouffayol. C'était hier, juste avant le protocole. C'est deux petits gabarits, hein, de coureurs très très fins, bien entendu. Duo reconstitué en tête avec Arthur Blaise et Victor Vandécoute qui vont passer à 500 mètres du sprint. C'est fait à Saint-Jean-de-Chevelu, 3 secondes et 2 secondes donc anecdotique pour ces deux garçons. Alors est-ce que Davide Donati va sortir du peloton ou faire le sprint pour aller chercher une seconde et des points?
Là aussi, la seconde pour l'Italien serait anecdotique. Il faudra quand même voir si eh bien, il y a les coureurs du classement général qui jouent le sprint. Oui, Philippe Béziers a annoncé la couleur. Regardez, on voit tout de suite les coureurs italiens aux avant-postes. Le maillot rouge de Davide Donati, voilà, qui lance le sprint. Et bien, au moins, les choses sont claires. Vous voyez, quand on parlait de bataille à tous les étages, il y a beaucoup de maillots à défendre. Et le coureur italien va passer, c'est fait, en troisième position. On attendra la confirmation des... oui, alors que le peloton est carrément revenu d'ailleurs sur les deux hommes. On attendra la confirmation des arbitres et du juge à l'arrivée qui était logiquement sur la ligne de sprint. Mais Blaise et Van Ekout étaient en première et deuxième position. Voilà, ils sont repris. Et Donati a dû faire le sprint. Alors par contre, la mauvaise nouvelle pour Davide Donati, c'est qu'il y a le grimpeur juste derrière. Un effort violent et derrière la route qui s'élève en écoute, qui accompagne une nouvelle accélération d'un des coureurs de la formation Fenchaux. Ce serait pas étonnant de voir Oliver Piss aux avant-postes. On l'avait déjà vu le premier jour, longiligne coureur anglais. Alors on parlait que de Van Ekout pour la montagne, on peut quasiment dire également que Davide Donati sera convié ce soir au protocole pour le maillot des sprints. Et tout de suite le deuxième grimpeur, très court, hein, on ne monte pendant seulement quelques kilomètres. Il y aura exactement 2,5 km, mais par contre des pentes très abruptes, des pourcentages très prononcés sur le pied et sur le haut de la difficulté. Et avec une nouvelle fois des coureurs qui tentent leur chance, ces coureurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Rémi Arsac ou peut-être Louis Chalet. Je pense que c'est plutôt Rémi Arsac qui est en train de tenter sa chance dès le pied donc de cette deuxième difficulté. Et si l'on regarde notre feuille de route, le sommet de cette deuxième difficulté du jour sera situé à 65 km de l'arrivée, la route des Vignes, donc pour ce deuxième classement de la montagne de cette dernière étape. On voit le maillot jaune aux avant-postes du peloton. Extrêmement vigilant, bien entendu, extrêmement attentif. Yann, que nous écouterons tout à l'heure, hein, nous l'avons rencontré. Oui, c'est mauvaise information, mauvaise nouvelle pour les supporters belges. Arnaud Vidard décroché du peloton. Ouais, le coureur belge qui n'évolue pas du tout à son niveau depuis quelques jours. Alors, Arnaud, donc, peut-être malade dans ces dernières heures du Valromé Tour, mais très très loin du niveau que nous lui avons connu sur les classiques du début de saison, sur également le championnat national de Belgique et bien entendu sur la classique des Alpes qu'il avait éclaboussé de son talent. Au début du mois de juin, Théo Anderson également, coureur du Team Inca, qui est décroché à l'arrière du peloton. Et le maillot jaune en personne qui s'immisce dans l'échappée, qui est en train de prendre corps. Voilà, on retrouve les hommes forts de l'Imbugé Valromé Tour aux avant-postes. Iliane qui se retourne, Maribou était là, Andrew Auguste est là, Paul Sexas est là. Regardez, première escarmouche entre les différents favoris. À dès qu'il y a une accélération, eh bien, tous les favoris donc, qui sont présents sortent du lot. Voilà, de nouvelles accélérations maintenant en tête de course. Andrew Auguste, déjà, hein, le coureur américain, qui peut compter sur Henri Neff, hein, le coéquipier, eh bien, est en train de passer à l'offensive. Ça nous promet un sacré final dans le Grand Colombier. Coureur américain qui a semblé vraiment un cran au-dessus avec Paul Sexas. Mais Paul nous avouait hier soir avoir été très souvent à fond derrière le champion américain. Voilà, nouveau groupe qui tente de sortir avec Victor Van Ekout qui se mêle encore une fois à la bagarre. Quel panache, hein, pour le coureur belge qui ne joue plus rien. Hein. Il avait, n'en doutons pas, calculé l'ensemble des points qui lui manquaient pour le classement. Et Van Ekout sait que il est assuré d'avoir ce maillot de la montagne. Mais c'est
un coureur de panache qui a décidé eh bien de jouer les points également dans ce deuxième grimpeur. Je sais pas qui est-ce qui est au casque. Ça roule très vite dans ce peloton. Dès la deuxième difficulté du jour, on est encore, nous le disions, à plus de 60 km de l'arrivée. Il restera 65 km au sommet de cette côte de la route des Vignes. On arrive au GPM. Rudel, Rabi, Rolando, Chirin font partie des coureurs qui ne sont plus dans le peloton, qui perdent beaucoup d'éléments dès les deux premières ascensions de la journée. Vendée Coude toujours en première position. Avec le maillot à poids qui passe en tête. Alors une ligne qui était tracée sur la chaussée, peut-être le classement de la montagne. Et Vendée Coude a demandé le relais. Oui, ça devait être le classement de la montagne. On voit que ça redescend tout de suite derrière. Et cette échappée qui essaye de fausser compagnie au peloton. Alors il serait pas étonnant d'avoir Henri Neff pour la formation américaine, le coéquipier d'Andrew Auguste, puisqu'on voit que Sexas, Barumi sont rentrés dans le rang. Alors, pas sûr pour Paul Sexas, est-ce que ce serait le maillot blanc du troisième du classement général qui serait là? On va d'ailleurs rappeler l'ensemble des porteurs des différents maillots avec donc Ilian Alexandre Barumi, donc qui est maillot jaune, leader du classement général. Le maillot vert porté par Mathis Grisel, vous l'avez vu en début d'étape. On revoit le classement général pour voir que les 10 premiers se tiennent en 2,26, qu'il y a 6 coureurs en 45 secondes, 46 secondes exactement pour le classement général. 6 coureurs, dont 3 coureurs d'AG2R Citroën U19. On le disait, une belle étape très tactique qui peut se mettre en place pour les coureurs des G2R Citroën. On va passer au maillot vert, donc c'est Mathis Grisel qui domine le classement, donc des classements par points. Donc ça c'est le maillot rouge, c'est pas le maillot vert. Alors, est-ce qu'on va avoir le classement du maillot vert, classement par points, qui est dominé par Mathis Grisel, alors que le peloton est revenu sur les hommes qui tentaient de passer, de fausser compagnie au peloton. Voilà Grisel, leader devant Paul Sexas et Senna Stretchmij. Jakob Busch est quatrième, Andrew Auguste cinquième. Là, ça va être très serré hein, pour le classement. Sexas peut prendre le vert, Andrew Auguste également. Mathis Grisel aura sans doute beaucoup de mal à conserver ce maillot vert du classement par points. Le maillot blanc à poids rouge est promis à Victor Van Écoute, qui a déjà fait le plein de points sur les deux premiers GPM. 55 points déjà pour Van Écoute, qui est passé en tête sur une ascension de deuxième catégorie et une ascension de troisième catégorie. Donc si l'on veut être complet, Van Écoute, on va lui rajouter encore quelques points supplémentaires. Dès maintenant, il a pris 20 points supplémentaires, donc 75 points pour Van Écoute, donc il est assuré, nous le disions, de ce classement de la montagne. Il lui suffit, entre guillemets, de terminer l'étape pour avoir ce soir ce maillot au protocole. Le maillot blanc qui récompense le classement des coureurs de moins de 18 ans, non pas de moins de 17 ans, mais moins de 18 ans, puisque là, ce sont les juniors première année. Paul Sexas est en première position, Aubin Sparfel est à 24 secondes, Théodor Clemensen à 1,51. Le maillot rouge est sur les épaules de Davide Donati, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le maillot des sprints intermédiaires. Davide Donati venu chercher des points supplémentaires lors du premier sprint. Il y a encore deux sprints qui vont intervenir dans quelques minutes. Mais là aussi, Davide Donati bien parti pour conserver ce maillot rouge. Il n'y avait que Sébastien Grinley, l'anglais, à maîtriser. Et c'est bien parti pour Davide. Et puis pour être complet, le maillot bleu du super combatif est sur les épaules de Jean-Loup Fayol. Et le maillot orange, le coureur le plus remarquable, c'est Ilian Barumi qui a été récompensé hier
après cette très très longue échappée. L'équipe de France a dû se faire un petit peu secouer les puces, excusez-moi de l'expression, mais on les voit beaucoup, on les voit beaucoup plus que sur les trois derniers jours, et sans doute que la direction sportive leur a demandé d'être acteur et d'être présent. C'est Théo Anderson, c'est Elliot Boulet, pardon, encore une fois, qui est aux avant-postes. On l'a déjà vu tout à l'heure, Elliot, et l'équipe de France a très envie de déclencher donc, et de prendre cette bonne échappée. On ne veut absolument pas louper l'échappée aujourd'hui. Elliot Boulet donc qui est ressorti. C'est vrai qu'on a vu Sven Gevenau pour l'équipe de France réaliser une belle performance sur le premier sprint. Et on voit beaucoup Arthur Blaise et Elliot Boulet. On voit également les Basques qui sont aux avant-postes de ce groupe, alors que pour Vendémé, on a pris pour la deuxième fois les points de la montagne devant Elliot Boulet, encore lui, très actif dans ce début d'étape que vous avez à l'image, et devant Henri Neff, dont nous avions parlé également, le coéquipier d'Andrew Auguste, qui lui aussi a envie d'être à l'avant de la course, peut-être pour servir de point d'appui dans le final donc au leader américain. Le temps pour moi de saluer nos amis de Direct Vélo qui vous font vivre cette étape également du côté écrit, et qui viennent de nous confirmer que Victor Van Écoute donc sera bien le meilleur grimpeur au terme de ce 35e Imbugé Valromé Tour, à condition de terminer l'étape. Vous comprenez pourquoi cette route s'appelle le chemin des vignes. Vous avez les vignes du Bugé, les produits régionaux que certains suiveurs ont pu découvrir hier soir lors d'une réception organisée par Jean-Marc Vivier et toute son équipe de bénévoles, consommés bien entendu avec modération. Jean-Marc très ému hier à l'arrivée lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de cette étape, qui était vraiment sous le charme des juniors. Alors que je vais saluer la ligne d'arrivée, puisque nous nous entendons désormais sur cette ligne d'arrivée au Grand Colombier pour ce Grand Prix SME 6e sens qui clôture cette 35e édition. Jean-Marc Vivier, qu'on retrouvera en interview hier, qui était vraiment sous le charme de ces juniors qu'il côtoie depuis de nombreuses années. Mais incontestablement, on sentait bien que le cyclisme moderne évolue, surtout dans ces catégories U19, où certaines équipes sont quasiment des équipes professionnelles désormais. Et également de grands professionnels en ce qui concerne la communication, car si vous nous suivez depuis 5 jours, vous avez pu voir la qualité des interviews coureurs qui ont toujours des réponses pondérées, qui sont très disponibles également. Alors ça, c'est pas nouveau dans le sport cyclisme d'avoir des champions disponibles, mais incontestablement, ce sont de très bons communicants. Vous en aurez un exemple tout à l'heure avec Iliane Alexandre Baroumi, qu'on a retrouvé hier soir et qui était très intéressant à suivre. On aurait parlé avec lui pendant de nombreuses minutes. D'ailleurs, on l'a fait après hors caméra, alors qu'on l'a vu passer en 10-12e position du peloton. Un peloton très étiré dans cette descente de la Côte des Vignes. Ils sont encore très nombreux. Et puis, on va saluer cette dame sur la droite qui applaudit avec ses chasubles jaunes. Ce sont des hommes et des femmes. Ce sont les signaleurs à pied qui font un énorme travail. Vous voyez, ils sont trois, hein, à être présents. Ils étaient trois à être présents sur ces carrefours pour encadrer et assurer la sécurité de tous ces jeunes champions sur les routes de cette Imbugé Valromé Tour. Oui, effectivement, ça court comme au plus haut niveau. Impossible pour l'instant de prendre une échappée. On ne laisse sortir personne. Mais c'est vrai que c'est un succès prestigieux qui s'annonce au Grand Colombier. Et les leaders n'ont pas envie de laisser filer donc les coureurs avant donc l'explication au sommet, alors que Van Écoute a été brillant sur le côté montant et un petit peu comme tout à l'heure a quelques difficultés dans la descente. Nous sommes à 56 km de l'arrivée et on a dépêché une moto à l'arrière de la course pour vous faire vivre également les coulisses à l'arrière. Toujours intéressant d'avoir une vue comme ça sur un peloton. Très belles images là, on voit ce peloton et l'équipe en maillot américain, la bannière étoilée. Ils sont tous remontés à l'avant de la course.
Ils savent qu'ils ont une belle carte à jouer avec. Tout à l'heure, Jean-Loup Fayol était à l'interview et obligatoirement avec le son de l'interview, alors qu'il y a des attaques juste, oui, c'était pour le sprint, je pense qu'on venait chercher les points. On a plongé la caméra une quinzaine de minutes donc, sur l'homme traîneur après la ligne d'arrivée franchie. Si du côté de la régie on peut nous mettre en double fenêtre ces quelques images que nous avons tournées, voilà, on va mettre ces quelques images, pas forcément je disais le son, donc on va peut-être rester aux commentaires pour vous montrer donc les images. Allez, on y va. Voilà, donc, alors déjà vous aviez, vous voyez donc, le petit papier qui donnait les indications, et puis là vous aviez la cadence de pédalage qui est en haut du compteur, et puis vous aviez bien les pulsations cardiaques qui étaient présentées sur la gauche, voilà, ici sur le bas du compteur. On fait descendre tranquillement ces pulsations après un long effort. Et Andrew Auguste, qui était très souriant bien entendu hier soir, a bien entendu accepté que l'on regarde donc ce compteur et cette séance d'homme trainer avant de recevoir le bouquet et les lauriers de sa victoire d'étape. Voilà le peloton. Donc on rappelle qu'on va voir une... Ouais, regardez, Yarno Vidar avec Victor Van Ekout, le maillot de champion de Belgique, à qui n'est pas à la fête sur ce Valromey. Mais coup de chapeau à Yarno, à qui lâche pas l'affaire, hein, qui se bat pour reprendre sa place dans le peloton. Alors si vous entendez des bruits de moto juste en arrière-fond, c'est que nous avons des motos qui sont montées sur le Grand Colombier et qui sont passées juste devant notre poste de commentateur. Voilà, d'autres coureurs qui sont décrochés sur la course avec le maillot du team NTG UNOX et Georges Martinsen qui vient d'être décroché du peloton. Peloton où on n'arrive toujours pas à sortir. Toujours pas d'échappée sérieuse qui prend forme. On a le maillot de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons également le maillot de la formation du CREF qu'on a beaucoup vu hier avant la bagarre, notamment avec Clément Sanchez, qui les coureurs des Pays de la Loire, donc qui ont essayé d'anticiper la grosse bagarre des favoris. C'était bien tenté, mais c'est revenu très très vite. On a Stan Smith également, coureur néerlandais, à l'arrière du peloton. Peloton encore bien fourni, hein, malgré les deux premières ascensions. Ce ne serait pas étonnant de voir revenir Yarno Vidar et Victor Van Ekout à l'arrière du peloton, alors que le team Otto Eder harcèle toujours la formation du leader. Hein. Les rôles sont inversés par rapport à hier. Le team Otto Eder qui a été attaqué de toute part hier. Les Mensen avaient même pris les devants dans la longue descente vers Hartemar, en se disant finalement c'est peut-être moi qui vais mettre la zizanie, mais ça n'a pas fonctionné. Et Clemensen a été décroché dans les tout derniers kilomètres. Voilà le nouveau groupe qui est en train de sortir. Après le deuxième grimpeur que vous avez vécu il y a quelques minutes. Un groupe de 5-6 coureurs qui semble essayer de se dégager, alors qu'on a une vue une nouvelle fois sur l'arrière du peloton. Yarno Vidar n'est toujours pas revenu. Hein, on ne voit pas de maillot de champion de Belgique. Alors on est du côté de Massigneux de Rives, avant une longue partie dans la vallée, et aller chercher un troisième grimpeur qui précédera le Grand Colombier. La nouvelle échappée, nous le disions, sous l'impulsion de la formation Otto Eder, en train de se mettre en place. 6 coureurs donc qui composent ce groupe. Alors 3 et 3, hein, puisqu'on a une cassure dans la descente. Alors Thomas Hank ou Christophe Kral, hein, je miserai sur l'un des deux. Du côté du team Otto Eder sont les deux petits gabarits. Christophe Kral qui a porté le maillot jaune pendant 48 heures, victime donc de cette chute sur la route des Avenières qui lui avait coûté une grosse minute, et Christophe a perdu 6 minutes supplémentaires hier.
encore une fois les États-Unis qui sont présents. Henri Neff me semble encore une fois dans ce groupe qui vient de sortir. Alors on retrouve l'arrière de la course. Deux coureurs d'Acroctorman, nous avons Jasper Schroff et Alex De Bock qui traînent entre guillemets Vincent, il va pouvoir faire des fond de classe, fond de peloton. Oh là là. Et nous sommes au lac du Lioroin, situé sur ce tracé de cette dernière étape. Très bel endroit aussi que nous avons découvert. Donc vous avez cette retenue d'eau, et de l'autre côté, côté savoyard, vous avez la petite Venise savoyarde. Si vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas. Voilà, on passe le pont pour revenir dans l'Ain. On était côté Savoie. Côté Savoie, vous avez la petite Venise savoyarde, Chanaz, village incontournable à découvrir si vous ne le connaissez pas. De très très beaux coins du côté de la région du Valromé et qui entoure ce Valromé. Coureurs qui vont prendre maintenant de longues lignes droites durant une dizaine de kilomètres. Là, vous êtes sur la route qui mène à Culosse, donc au pied du Colombier. On va y passer une première fois et puis on va refaire une boucle de l'autre côté du Rhône. Alors là, ce n'est pas le groupe maillot jaune, hein, c'est 6 coureurs qui viennent de sortir. Oui. Vas-y, je vais me mettre sur le côté. Je pense qu'on va avoir l'identité dans quelques instants de ces coureurs. Présence du champion d'Australie, Joshua Skrenec de la formation Krabbe. On a encore Clemensen qui est encore là. Intenable, hein, l'ancien maillot jaune. Présence encore une fois de Johan Chardon, le coureur vendéen. On a distingué également la présence. Alors on va voir Clemensen qui prend le relais. Il nous manque le coureur de la formation de Bourgogne que nous n'avons pas pu identifier. Il doit s'agir d'Edgar Berthélémy. C'est bien lui, c'est Edgar qui est là dans le groupe de tête. Pour la Krabbe, donc nous l'avons dit, nous avons la présence de Clemensen. Ouais, mais regardez le peloton, hein. On ne laisse pas sortir comme cela. Clemensen est dangereux au classement général. Clemensen est 9e à 2-11. Alors certes, il y a une marge de sécurité, mais on ne veut prendre aucun risque. Et on défend le maillot du côté de la formation donc du maillot jaune, même si l'on voit les Américains également en train de rouler en tête de peloton. Johan Chardon qu'on a beaucoup vu hein, dans cet imbugé Valromé Tour depuis deux jours. C'est Sven Gevbeneux pour l'équipe de France, on en a parlé tout à l'heure. Sven donc que l'on revoit avec grand plaisir en tête de course. Johan Chardon donc on en a parlé, et Edgar Berthélémy, le coureur de Bourgogne-Franche-Comté qui s'était illustré sur ses championnats régionaux puisqu'il est champion régional. Il avait brillé sur les boucles de la Seine-et-Marne ou sur le LVM Sarland cette saison. Et Clemensen qui insiste. Et puis pour être complet avec Edgar Berthélémy, on va rappeler qu'il porte le maillot du SCO Dijon tout au long de la saison et que c'est sa première année junior. Hein, donc, garçon que l'on reverra, espérons-le, la saison prochaine, alors que Axel Beldon, le coureur de la Fenshow, ferme la marche dans le peloton, a échappé sur le point de se terminer pour les hommes de tête. Alors certes, c'est la partie la plus plate de l'étape durant une bonne dizaine de kilomètres, mais c'est une route très rectiligne, de longues lignes droites
C'était pas le meilleur endroit pour être en point de mire du peloton. Tommaso Bambagioni à l'écran, l'italien du CPS International, troisième le premier jour, qui appelle sa voiture. Là, vous avez pu voir la voiture également de la direction de course, la voiture rouge. Donc vous avez celle de Jean-Marc Vivier à l'avant de la course, et puis vous avez celle du président du jury. Saluer José Nascimento, donc président du jury 23 de cet Imbugé Valromé Tour, et puis tous les arbitres français également qui sont présents aux côtés de José Nascimento, donc dans ce collège des commissaires qui encadrent le peloton et qui bien entendu font respecter les règlements de l'Union Cycliste Internationale et de la Fédération Française de Cyclisme. Vas-y, retourne. J'ai envie de dire du côté règlement, il n'y a pas eu beaucoup de travail du côté des arbitres, parce que ça s'est fait dans un formidable état d'esprit. Juste eu quelques rappels de temps en temps, par exemple le fait de faire toujours ces ravitaillements à droite. On vous a parlé de cette règle, alors que ça ressort encore une fois avec l'équipe Abloc, l'équipe néerlandaise, présence également de l'équipe Uno X qui est présente dans le groupe. Toujours la Bourgogne et l'équipe de France, hein. Les Bourguignons et la sélection française qui ont très envie de prendre l'échappée, si échappée il y a, hein, parce que pour l'instant, compliqué de prendre plus de 10 secondes au peloton. Il allait bien ce matin, Guy. Ils sont 3-4 à rouler sur ce groupe. J'apprécie. Et derrière, vous voyez le peloton. Il semble que c'est Fritzke, le champion d'Allemagne, pour Otto Eder, qui ramène ce peloton. 1000 mètres du sprint, 1000 mètres. Et un coup pour rien, encore une fois, ça va revenir. Peloton regroupé. Il y a le troisième sprint à la Palière. Alors qu'à l'arrière du peloton, ce n'était pas le moment de traîner. Joan Chardon avec Clément Sanchez, avec également la présence dans ses dernières positions d'Aaron Nouget dessus également. Et le peloton, une nouvelle fois groupé. Regroupement général donc au terme de cette nouvelle escarmouche. Il va y avoir 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde dans quelques instants à la Palière. On fait le travail de coéquipier en remenant des bidons. À l'image Gabriel Salon qu'on avait vu un moment échapper sur l'étape des Avenières. Voilà Gabriel qui s'est mué désormais en coéquipier pour Paul Sexas, le troisième du classement général. Allez, le sprint lancé avec une nouvelle fois Donati. Donati qui va venir chercher des points, qui va peut-être être devancé. Ce classement, alors il y avait un coureur de la Cannibal, c'est un coureur de la Fenshaw qui ont disputé les points, mais c'est tout bon pour Donati qui lui aussi désormais va se concentrer sur la dernière ascension et s'évertuer tout simplement à rentrer dans les délais pour conserver ce maillot rouge donc du classement des sprints. Je pense que c'était Greenley qui était là avec également peut-être pour la Cannibal du Woody, peut-être qui était là pour venir chercher les points, alors que Mathis Grisel est à l'image avec le maillot vert. Toujours est-il que Donati a pris des points et cela devrait suffire pour conserver ce maillot rouge. Alors, tous les maillots sont très disputés. Celui de Mathis Grisel, ce sera sans doute le plus dur à conserver pour la formation AG2R Citroën, avec deux petits points d'avance sur Paul Sexas qui devrait faire le plein de points lui aussi sur l'étape. Ex-Paco dans la voiture AG2R Citroën U19, la formation de Voiron, on le rappelle, pour les U23, c'est du côté de la mode Servolex, et du côté des U19, c'est Voiron qui accueille
ces coureurs dans cette catégorie d'âge. Baptiste Grisel, l'équipe était à son service le jour des Avenières, le jour de Belé. Et désormais, Mathis qui fait un gros travail de coéquipier. On l'a vu en début d'étape. Nous l'avons vu hier également, alors qu'un nouveau groupe tente de sortir après le sprint de la Palière. On est toujours sur les longues lignes droites qui amènent les coureurs à Culoz. On va une nouvelle fois passer sur le Rhône. Dans quelques instants, voilà un groupe. Tiens, Nantais, ce ne serait pas étonnant de retrouver Dorian Piquet encore une fois. Les coureurs français bien présents, ils sont deux dans ce groupe. Coup de chapeau à l'équipe de France à qui, malgré un classement général perdu, eh bien, se remobilise sur cette dernière journée. Ils sont vraiment très présents depuis le kilomètre zéro. On a vu tour à tour Gaëf Neveu, Elliot Boulet, on a vu Arthur Blaise donc tenter sa chance. Là, ils ont refait les routes juste pour le TVO, quoi. C'est beau. Alors, est-ce que le peloton consent à laisser du lest à cette échappée forte de, il me semble qu'ils sont 8. Oui, peut-être que pour la première fois de la journée. Alors, on va saluer un de nos habitués, Stéphane, qui nous rejoint. Bonjour à Stéphane Duport qui aura suivi les 5 jours à nos côtés et qui fait partie des 4950 abonnés, bientôt les 5000, sur notre chaîne Black Hole Live qui vous permet de vivre tous les événements donc de la saison cycliste. Tiens, les prochains rendez-vous, nous aurons notamment la Polynormande. Ce sera le 13 août prochain. On vous invitera sur la Coupe de France avec les coureurs professionnels et puis encore de belles surprises à venir. On peut citer bien entendu les deux tours de l'avenir sur lesquels eh bien, Black Hole interviendra. Voilà, 8 coureurs devant, encore une fois l'équipe Auto Eider. Il me semble bien que nous aurions Dorian Piquet pour la formation nantaise. Nous avons vu Maxime Decomble en conversation du peloton. Lui qui devait être déçu hier, Baptiste Berger à l'image. Alors que Fritzke, le champion d'Allemagne, est passé. Nous l'avons aperçu brièvement pour remonter des bidons. Et groupe de 8 qui s'est dégagé désormais. Alors on fait le point du côté des coureurs dans ce groupe. M'étonnerait pas que ce soit encore une fois Elliot Boulet hein, qui soit là pour la formation française. Ah, le peloton qui semble complètement se désintéresser sur cette échappée. Côté allemand, ce serait bien encore une fois Clemensen qui serait présent. Et comme je vous le disais, on a laissé Culoz et le Grand Colombier. On repasse sur le Rhône. Voilà, je disais, on repasse sur le Rhône pour passer à Ruffeux en Chautagne, monter vers Chevigné, on va aller à Seyssel et puis on repassera versant ouest pour aller chercher Anglefort donc et le pied du Grand Colombier. Nous sommes au 50e kilomètre, un petit peu plus de 40 km encore sur cette étape. Présence de Marc Lippfout à l'image, les coureurs Avia. Moi aussi ne joue plus rien au classement général, même si Marc est dans le top 20, 19e, mais à près de 4 minutes des leaders. Alors, nouveau groupe qui se constitue, toujours un coureur américain, toujours un coureur nantais qui est présent. On a un Marseillais, on a le Cref Vendée qui est présent. On a également la formation EFC, oui, ça sort par vague, hein, le groupe est en train de grossir au fil des minutes. On a l'équipe de France, on en a parlé
il y a quelques instants. Je pense que c'est Eliott Boulay encore une fois qui est là. Et pour l'instant, même si le peloton, il y a certains buzzards à l'arrière du peloton. Peloton qui est à quelques secondes seulement des hommes de tête, ce qui a permis à certains de relancer la course. Donc un neuvième vient de faire la jonction, nous l'avons vu. Il y avait encore 3-4 coureurs qui étaient en train de tenter leur chance pour revenir sur la tête de course. Un coureur italien également qui est là avec le maillot de Trévi-Glézier. Davide Donati s'est confirmé qui avait remporté le troisième sprint. Il sera bien maillot rouge ce soir de ce classement annexe. Notre moto qui remonte. Peloton, regardez sous la conduite de Mathis Grisel, encore une fois, coureur d'AG2R Citroën U19 qui a pris les commandes du peloton. Ah, ça roule fort dans l'échappée devant. Et première échappée sérieuse, hein, non pas que les coureurs qui étaient échappés tout à l'heure n'étaient pas intéressants, mais tout simplement première fois de la journée qu'une échappée arrive à prendre plus de 15 secondes sur le peloton. Voilà le groupe de tête que nous distinguons désormais. La présence, c'est Gabriel Berg pour l'équipe de France qui est présente dans ce groupe. Alors nous avons, semble-t-il, pour Trévi-Glézier, on va attendre confirmation, mais Francesco Sangalli serait également présent dans ce groupe. Peloton toujours sous la conduite alors qu'on relance. Hein, on essaye de relancer une nouvelle fois derrière ce groupe. Alors on en avait compté 9 tout à l'heure, mais je pense qu'ils sont un tout petit peu plus nombreux. Il y a un quatrième coureur donc de l'équipe de France qui se met en évidence aujourd'hui, Gabriel Berg, coureur également de la région parisienne comme Arthur Blaise, puisqu'il porte traditionnellement le maillot d'Argenteuil Valsen Cyclisme 95, qui avait gagné étape et classement général sur la Côte d'Or Classique. Et qui se distingue donc sur ce Valromé, deux Français. Il y a bien Eliott Boulay encore une fois qui est présent dans le groupe. C'est bien Sangalli également qui est là. Nous avons la présence d'Hugo Fabriès, 20e du classement général, qui est présent dans ce groupe. Nous distinguons également Tomazio Bambiagioli, 3e de la deuxième étape de cet Imbugé Valromé Tour. Oui, ils sont plus nombreux, hein. Il en avait compté 9. Et il y a encore une fois la présence de Clemensen, le 9e du classement général. Voilà la menace pour les hommes du leader, les hommes de Baroubi, donc d'AG2R Citroën U19. Clemensen est encore une fois présent dans cette échappée. Et encore une fois, chaque fois qu'il peut harceler donc l'équipe du leader, il ne s'en prive pas. Alors, il me semble reconnaître Maxime Decomble également. Non, c'est pas Decomble qui est là. C'est Benjamin Ivart pour l'Académie Marseille, la POM U19. On a également la présence de Jacob Andreas Jacobsen pour le team UNOX. Nous avons également un Vendéen, c'est Diego Charteau, déjà en vue hier et qui a remis ça. Puis côté américain, on avait bien distingué Henri Neff, le petit gabarit, déjà en vue sur l'étape de Belley. Il doit nous en manquer un ou deux dans ce classement. Et regardez qui c'est qui est là. Milan Doni, il me semble avoir reconnu le coureur belge d'AG2R. Il faudrait confirmer si la moto peut venir nous fixer. Il me semble bien avoir. Oui, c'est bien lui. Milan Doni, Dossard 13 qui est là. Et Milan est bien classé au classement général. C'est bien Dorian Piquet qui est là également pour la formation nantaise. Henri Neff, Gabriel Berg, Eliott Boulay. Clemensel et Kral seraient là pour le team Auto Eder. Milan Doni est bien annoncé dans ce groupe. Et là, ça se change
beaucoup de choses, car si Clemensen est dangereux au général, eh bien Milan Doni, lui, occupe une place, soit sixième à 46 secondes. On parlait de la tactique de la formation AG2R Citroën U19. Il y avait un gros coup à jouer sur cette étape. Eh bien, voilà peut-être un des tournants de ce Valromey. On rappelle qu'il y a trois coureurs AG2R. On va peut-être essayer de remettre le classement général en incrustation pour bien fixer les choses, pour bien montrer que la formation AG2R Citroën U19 a quatre cartes. Alors, j'ai envie de dire plus que trois cartes, car Baptiste Grégoire est à plus de 2 minutes, alors qu'on va entamer la troisième difficulté en direction de Chevigné. Voilà le groupe de tête. Voilà, si l'on peut nous remettre le classement général qui a été établi hier soir au terme de la quatrième étape, pour voir, voilà, Milan Doni, sixième à 46 secondes. Clemensen avait le petit sigle ACT que vous voyez après les drapeaux de nationalité. Eh bien, ça veut dire AG2R Citroën Team. Et ils sont trois sur les six premiers. Et Milan Doni, eh bien, est la première carte abattue par ce collectif. Car eh bien, le point d'interrogation, c'est de savoir si Barumi allait pouvoir résister au talent de grimpeur d'Auguste et de Sexas. En plus, il y a des modifications à l'arrivée. Donc, il y a vraiment beaucoup de scénarios qui peuvent avoir lieu dans ce final. Mais en tout cas, la formation AG2R Citroën U19 a décidé donc d'envoyer Doni donc à l'avant dans cette troisième ascension. Le maillot jaune aux avant-postes du peloton. Dorian Piquet, le Nantais, qui emmène donc dans cette montée de Chevigné, qui est la troisième difficulté de la journée. C'est le Haute-Garonne, Gloire machin, pas Gloire, Team Jolie. Merci à Clément en régie de nous remontrer le graphisme. Voilà, vous êtes dans la troisième montée. Ah, c'est Pierre qui nous a envoyé le graphique et le profil à l'image. Berg pour l'équipe de France. Diego Charteau avec le maillot du Cref Vendée Pays de Loire. On a également à l'image avec le dossard 33 et le maillot bleu de la formation marseillaise Benjamin Ivard. Et à l'image le peloton sous la conduite de Mathis Grisel, du maillot jaune en quatrième position, qui eh bien pour l'instant réalise le gros coup. Milan Doni donc dans ce premier groupe. Beaucoup tactique hein, du côté de la G2R, alors qu'on a le résultat du troisième sprint. C'est bien d'une Woody qu'on avait vu, qui s'est imposé. Donati a pris la deuxième place et Greenley la troisième. Alors on n'avait pas forcément l'ordre, mais on avait les trois noms, ce qui confirmerait que Donati sera donc maillot rouge ce soir au terme de cet imbugé Valromey Tour, alors qu'on compterait 16 coureurs à l'avant, avec notamment également Hugo Fabriès, le coureur de Jolie 31. Et d'ailleurs, c'est lui qui est en train de passer à l'attaque, Hugo Fabriès, un des garçons très en vue sur cette édition 2023 de l'Imbugé. Le quatrième de la Classique des Alpes 2022, quatrième à Ploué, quatrième également au Tour du Pays de Vaud. On le disait il y a 48 heures lorsqu'on l'avait vu à l'avant, il ne fait pas forcément une saison pleine comme l'année dernière, mais il est en train de revenir à son meilleur niveau. Il l'a prouvé sur le Carmozin Ségala il y a quelques jours, et il est vraiment en train de le confirmer tout au long de cette semaine sur l'Imbugé Valromey Tour, alors qu'on discute en tête de peloton entre Vincent Baudet, me semble-t-il, et non, c'est pas Vincent Baudet, ça doit être peut-être Rémi Doma qui est aux avant-postes, qui était avec Mathis Grisel. L'air de lui dire, nous ça va, on a un gars devant. Et Mathis devait lui dire, bah, nous aussi on a un gars, et on va laisser faire. Et c'est la formation de Villefranche, de Paul Sexas, qui est en train de prendre les commandes du peloton. Le maillot blanc que l'on voit en deuxième position a dû demander à ses coureurs de rouler derrière Milan Doni. Hugo Fabriès toujours en solo dans cette montée de Chevigné. Belle allure pour le coureur de la Haute-Garonne. Ah oui, incontestablement, changement de physionomie donc avec les coureurs de Villefranche, et Paul Sexas en personne en deuxième position,
qui sont en train de sonner la charge. Le troisième du classement général qui commence son travail de sable, semble-t-il. Donc, on sait que Paul a de belles ambitions. Alors, même si hier, il reconnaissait de façon incontestable la domination et la supériorité d'Andrew Auguste qui les avait vraiment mis au supplice sur de longues durées. Alors, on parlait beaucoup en watts et Paul nous disait qu'il avait de très longs relais et que c'était très constant du côté des watts. Et Paul était impressionné donc par la faculté de l'Américain à rouler très fort et très longtemps. Et il avait déclaré à nos amis Direct Vélo vraiment avoir souffert. Il parlait même d'enfer durant les 20 derniers kilomètres. Alors que regardez, le travail est en train de payer. Le peloton casse dans cette troisième ascension. Ça va de plus en plus vite du côté de la formation de Villefranche sous l'impulsion de Matteo Moncoutier, qui est en train d'emmener le peloton. Matteo Moncoutier devant Paul Seixas. On a la présence également de Fritz Koen dans les tout premières positions. Le maillot jaune, Baroumi, qui ne s'en laisse pas compter. On a Andrew Auguste qui est en 5-6e position. Voilà la bataille des favoris. On pensait qu'elle se déclencherait au pied du Colombier. Mais Paul Seixas a décidé de devancer l'appel. Et c'est surtout l'offensive de Milan Doni qui oblige le coureur de Villefranche à prendre ses responsabilités et à faire sonner la charge, sonner la garde. Donc avec Matteo Moncoutier en première position du peloton. À l'avant, Hugo Fabriès toujours en solo. L'excellent grimpeur donc venu de la Haute-Garonne. On rappelle que cette formation qui est une entente, hein, née il y a de nombreuses années, qui a sorti notamment le regretté Nicolas Portal, Julien Loubet, Biel Kadri, pour ne citer que les principaux, ou encore récemment Darren Rafferty. Eh bien, ce collectif regroupe des coureurs qui, tout au long de l'année, défendent leur club, puisque Hugo Fabriès porte le maillot de Villeneuve Cyclisme tout au long de la saison. Et sur les manches de Coupe de France ou sur les courses internationales, les couleurs du team Joly Haute-Garonne 31. Matteo Moncoutier toujours en première position. Toujours Paul Seixas qui semble bien entendu dans une bonne journée. Hein, s'il fait rouler comme cela très tôt son équipe, c'est sans doute qu'il a quelque chose de prévu, une envie d'attaquer et de renverser le général, pourquoi pas Baroumi, donc qui le précède de 20 secondes. Et Andrew Auguste qui compte toujours 19 secondes d'avance sur le jeune champion qui porte désormais le maillot du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Eh bien, le peloton est en train de perdre de nombreux éléments sur ce fait de course, alors que l'on retrouve toujours Hugo Fabriès en première position, une vingtaine de secondes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Peloton principal annoncé à un petit peu plus d'une minute. Et Baroumi s'est mis dans la roue de Paul Seixas, hein, le leader du classement général. A choisi donc d'encadrer les deux coureurs de Villefranche. Voilà, on vient de passer au sommet, une petite minute de retard. Ce qui veut dire que Milan Doni, pour quelques secondes, serait quasiment virtuel maillot jaune, alors qu'on annonce 20 ou 30 secondes. On n'a pas bien vu pour Hugo Fabriès, toujours seul en tête. La voiture de direction de course qui repasse, donc ça doit être vraiment une petite vingtaine de secondes pour Hugo. On ne laisse quasiment personne à part notre moto. À 30 secondes, peloton, 1 minute. Merci à notre caméraman sur les motos. On va saluer Timothée et Vincent, nos deux caméramans qui font un super boulot depuis 5 jours et qui vous permettent de vivre ce Valromé Tour. On va saluer également l'équipe de régie, Pierre, notre réalisateur, Clément et Bastien qui l'accompagne du côté de la régie. Voilà, vous connaissez toute l'équipe. 5 personnes pour vous faire vivre du mieux possible cet imbugé Valromé Tour. La deuxième moto qui s'est fixée sur la tête de peloton et les coureurs de Villefranche donc qui ont décidé de durcir donc sous l'impulsion de Matteo Moncoutier. Alors je ne sais pas si on a eu la question. Oui, Matteo fait partie d'une famille de cyclisme puisque c'est tout simplement le fils de David Moncoutier, multiple vainqueur d'étapes sur les routes du Tour et
meilleur grimpeur sur les routes du Tour d'Espagne. Et Matteo est en train de se faire un prénom, lui qui n'est âgé que de 17 ans, qui s'est distingué sur la Flèche Ardéchoise, sur le Grand Prix de la ville d'Aubenas ou sur également le Tour de Gironde, et qui fait partie de ce beau collectif du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais, alors qu'il y a une partie du peloton après cette escarmouche qui est en train de revenir, ou alors est-ce qu'on est en train de revenir tout simplement sur les échappées qui étaient intercalées. Doucement, doucement. Le groupe en contre-attaque a été repris par le peloton. Donc, en ce moment, c'est le 41 et le peloton. Ah, je sais. 45 secondes hein, au dernier pointage pour Hugo Fabriès. Hugo que nous avions eu hier matin en interview. Et si l'on regarde le classement général, alors il me semble qu'Hugo, si je ne dis pas de bêtises, était en 19e position ce matin au départ de cette dernière étape. 20e, voilà, 20e. À 3 minutes et 53 secondes. Et bien entendu, Hugo sait qu'il ne renversera pas le classement général, mais rêve, pourquoi pas, d'une victoire d'étape. Le peloton toujours sous la conduite des coureurs de Villefranche hein, qui poursuivent leur travail hein, qui vraiment prennent leurs responsabilités. Matteo Moncoutier toujours dans sa roue, le maillot blanc, troisième du général. Et c'est Tom Lambert-Wetzel qui a pris le relais désormais en tête de peloton. Formation de Villefranche donc qui est menacée au classement général par Milan Doni, ce qui explique donc que cette formation caladoise ait pris les commandes. Et Ilian Alexandre Baroumier également qui emmène ce peloton. Voilà Tom Lambert-Wetzel qui a laissé la place au maillot jaune. On a André Auguste en deuxième position, Paul Sexas troisième. Tom Lambert-Wetzel s'est écarté. Lui aussi avait gagné sur Aubenas, avait brillé sur la Jean-Patrick Dubuisson ou sur la Côte d'Or classique. Et on l'a beaucoup vu donc ces dernières minutes en tête de peloton. Peloton réduit à sa plus simple expression, un petit peu comme hier. De nouvelles attaques. Est désormais en tête avec les Fanshawe qui sont là, formation anglaise, alors que Hugo Fabriès est toujours seul en tête. Ouais, ce sont les Anglais qui relancent le team Fanshawe. Jacob Busch est 7e du classement général à 1 minute et 13 secondes. Oliver Piss est 13e. Et alors, comme depuis 4 jours, à chaque fois qu'il y a un Anglais qui bouge, c'est un Américain qui revient sur lui. Fabriès qui aura réalisé un beau numéro. Là, on est en direction de Seyssel. Donc, on est plein nord désormais, direction plein nord. Et si la caméra se tourne sur la gauche, on devrait voir les pentes du Grand Colombier qui est à l'ouest de la course désormais. Plus qu'un homme à l'avant donc le travail de Moncoutier et Lambert-Wetzel dans un deuxième temps et eh bien a porté ses fruits puisque le peloton est revenu sur Milan Doni. Donc 35 secondes pour le peloton maillot jaune et un deuxième peloton. On aurait un deuxième peloton à plus d'une minute. Voiture nette qui passe à l'avant, c'est jamais bon signe lorsqu'on est échappé. Hugo Fabriès a compris que le peloton est en train de se rapprocher. Voilà les pentes du Grand Colombier qu'on a aperçu brièvement. Donc on rappelle la situation de course désormais. Donc un homme en tête avec le coureur du team Joly 31. Donc Hugo Fabriès est derrière le peloton maillot jaune avec tous les favoris et tous les leaders du classement général qui sont présents.
pour l'explication sur les pentes du Grand Colombier, théâtre de l'arrivée de cette dernière étape. Peloton d'environ une cinquantaine de coureurs désormais. Et on rappelle que ce côté angle fort est le côté le moins connu du Grand Colombier, mais celui qui a le plus fort pourcentage, alors en moyenne hein, pour monter, c'est du côté Artemar. Vous avez les rampes les plus sévères avec des passages à 22%. Là, de ce côté-là, vous avez quasiment 7,8% de moyenne pendant 18 km et des pentes maximales à 14%. Un petit peu comme sur le côté culose, les deux côtés se ressemblent et d'ailleurs les deux côtés se rejoignent à mi-pente, donc à 9 km de l'arrivée. Nous sommes donc dans la localité de Mauze, donc après un peu plus de 60 km de course, nous sommes à moins de 27 km de l'arrivée et à un peu moins de 10 km du pied de cette ascension du Grand Colombier. Donc Hugo Fabriès toujours en tête, 35 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune, deuxième peloton annoncé à un petit peu plus d'une minute. Et si vous nous rejoignez, donc on le disait en ouverture, vous avez une association ou une confédération des fêlés du Grand Colombier qui vous propose de monter donc deux, non pas un, mais deux, trois ou quatre versants dans la même journée. Je rappelle que vous avez le côté, donc on en a parlé il y a quelques instants, donc Artemar avec les pentes les plus prononcées. Vous avez le côté donc par le Valromé et Champagne en Valromé où les coureurs sont passés hier. Il y a le côté culose et le côté angle fort. Et donc cette particularité où culose et angle fort, eh bien les deux variantes se rejoignent à mi-pente. Les coureurs du Tour de France avant-hier étaient montés par culose et les coureurs du Valromé vont monter par angle fort, ce qui explique que vous retrouverez une route avec de nombreux prénoms sur la chaussée à 9 km de l'arrivée. Alors je ne sais pas si vous la verrez parce que c'est l'endroit où il n'y a plus de réseau et on est assez inquiet du côté de la réalisation entre ce passage à moins 9 et moins 3. Alors on verra, hein, les réseaux semblent bien tenir aujourd'hui. Donc on espère avoir des images sur cette zone quelque peu blanche. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des coupures incontestablement, on le sait. Et nous avons averti depuis 3 jours maintenant. Peloton maillot jaune qui est dans la descente après donc cette difficulté qui était la troisième, la côte de Chevigné. Direction Seyssel où aura lieu le dernier sprint de la combativité et puis ensuite donc l'ascension vers le Grand Colombier. On passera à angle fort et ce sont encore une fois les coureurs de la formation Auto-Eder qui font la descente. L'équipe Auto-Eder hein, qui aura beaucoup tenté comme l'équipe de France tout au long de la journée. Ce sont les deux équipes qui ont été le plus souvent représentés à l'avant de la course. Formation allemande battue hier, hein, qui avait perdu beaucoup de... tous les coureurs avaient perdu beaucoup de temps hier. Clemensen avait tenté d'anticiper la bagarre. On a cru un moment que le coureur danois allait réussir dans son entreprise, mais les deux dernières difficultés étaient de trop pour Theodor Clemensen, qui a perdu son maillot. Alors on parlait du Grand Colombier, on va vous montrer pendant la descente le profil pour voir que les pentes les plus sévères sont dans la première partie de l'ascension, même si la dernière partie est loin d'être facile hein. Vous voyez donc les pentes donc les plus sévères dès le pied, donc pente rouge supérieure à 10% et puis pente orange qui donne des moyennes entre 8 et 10%. Donc les 6 premiers kilomètres de l'ascension sont les plus difficiles. Voilà en ce qui concerne donc le Grand Colombier qu'on retrouvera. Clemensen encore une fois à l'attaque. Le coureur d'Auto-Eder qu'on aura vu de tous les coups. L'ancien maillot jaune donc ressorti. Encore un Français également hein, qui fait la descente. Vous le disiez, les deux équipes auront été inséparables aujourd'hui.
Et voilà donc l'homme de tête, Hugo Fabriès, en direction de Seyssel. Encore une fois, hein, de longues lignes droites qui n'avantage pas un homme seul. Voilà, on a les deux coureurs donc qui étaient dans le contre, un troisième qui revient, un peloton qui n'est pas très loin. Oui, attention à cette voiture qui va bien rester à sa place et laisser les coureurs passer. Peloton très étiré. Allez, devant, devant! Un trio qui tente de se constituer à la poursuite de l'homme de tête. C'est encore Elliot Boulet, hein, qui est là. Ah, décidément, Elliot très en vue dans cette dernière étape. Il aurait été l'un des principaux acteurs donc de cette étape. Hugo Fabriès qui vient de passer à 25 km de l'arrivée, qui se retourne peut-être pour attendre du renfort avec les coureurs annoncés derrière lui. Hugo qui s'était isolé donc dès le pied de la côte de Chevigné. Falcho qui tente de revenir. Clemens et Boulet qui vont avoir du renfort dans quelques instants. Groupe de 4 maintenant et Hugo Fabriès toujours seul en tête, le coureur donc du collectif de la Haute-Garonne. Hugo le mieux placé au classement général dans cette formation puisqu'il est 20e à 3,53. On le disait, Vincent Baudet avait perdu du temps les 15. Alors je pense que c'est le deuxième peloton hein, qui est à une 15, mais 14 secondes sur l'avant-garde du peloton que nous retrouvons une nouvelle fois en image. 5e qui est en train de rentrer. Encore une fois Henri Neff qui est là. On a Kral également qui est présent dans ce groupe. La présence pour la fin show de Jacob Busch, le 7e du général, qui essaye d'anticiper avant le grand colombier. On a la présence également de Mika Lüdwinkel, le 8e. Alors attention, car là, il y a 6e, 7e, 8e et 9e du général qui sont là, puisque Clemensen est présent pour... attention à cet îlot directionnel. Clemensen est là pour la formation du team Auto-Eder. On a Van den Broek pour... la formation Akrog également qui est là, mais Van den Broek est à plus de 10 minutes. Neff pour la formation américaine. La présence également donc dans ce groupe, alors que nous avons Fabriès qui a été repris. La présence dans ce groupe, Elliot Boulet, voilà, qui va reprendre sa place, de Jacob Busch, le 7e du général. Et la présence, nous l'avons dit, donc... du 8e, Mika Vijvinkel, donc de la Cannibals Baran Victorious, donc 7e, 8e et 9e qui tentent d'anticiper juste avant donc le grand colombier. Nous sommes à un peu moins de 25 km de l'arrivée. Oui, il y a beaucoup de monde devant, et ce qui explique qu'on est en train de se regarder un petit peu. Busch qui relance. Elliot Boulet, lui, pense uniquement à la victoire d'étape, alors que nous avons toujours la formation de Villefranche qui emmène ce peloton. Je pense que c'est Tom Lambert-Wetzel qui a repris les commandes. Le maillot jaune avec dans sa roue le maillot blanc. Encore un coureur de l'équipe de France qui est là, Arthur Blaise. Milan Donnier redescendu dans ce peloton. Et Nils Driessen qui fermait la marche dans ce peloton maillot jaune. Voilà le groupe de tête. Moins de 20 km de l'arrivée. Voilà, passage aux 20 km pour le peloton. Et on s'approche. Vitesse grand V d'Anglefort, kilomètre 72, qui marquera le pied de cette ascension et le début donc de ce grand colombier.
Brias qui trouve que ça ne roule pas très fort et qui est en train de relancer. Et un peloton qui est fort désormais de 41 coureurs qui vont s'expliquer. Donc ils étaient 142 au départ ce matin et 41 coureurs qui vont s'expliquer donc sur les pentes du géant jurassien qui accueille l'Imbugé Valromey Tour aujourd'hui. Regroupement général quasiment opéré désormais. Et l'ensemble des favoris donc qui vont s'expliquer sur les pentes donc du Grand Colombier. On va rappeler une dernière fois le classement général. Donc Baroumi en tête, Auguste à 1 seconde, Sexas à 20, Duarte Marivouet à 38 secondes, Sparfel, Donny. Les deux coureurs coéquipiers de Baroumi sont à 44 et 46 secondes. Bouge, Winfinkel, Clemensen et Grégoire qui complètent le top 10. Et on attend bien entendu avec impatience cette explication. Alors si en double fenêtre on peut la voir, ce serait intéressant avant d'entamer le Colombier d'avoir Ilian Alexandre Baroumi en interview. Bravo aux soigneurs de la formation InnoX qui a réussi sur un sprint magnifique le ravitaillement pour Karl Edmund Kasland à l'instant même. Voilà, Karl Edmund qui va reprendre sa place dans le peloton. Rien n'a échappé aux caméras de Timothée et Vincent. Le maillot jaune, donc, qui nous parlait. L'interview, et je le précise, l'interview est super intéressante. Vous allez voir, Ilian Alexandre, garçon très souriant, d'autant plus qu'il avait le maillot jaune hier soir sur la ligne d'arrivée au plan d'automne. Ilian, une journée complètement dingue, comme on vit rarement dans une saison. Ouais, absolument. Bah, c'était pas prévu de partir autant tôt. Ça a été compliqué après nous. Quand j'étais tout seul devant au début, je pensais que ça allait rentrer derrière quelques coureurs pour m'aider un peu. Mais quand j'ai vu que j'avais sur un deuxième groupe une 15 d'avance et sur le peloton 2 minutes, j'ai dit bon bah maintenant il va falloir y aller tout seul. Et bah, j'ai essayé de gérer mon effort au mieux. Mais ouais, quand je suis arrivé au pied de la dernière montée, j'ai dit putain, il reste 28 km. Donc ouais, ça n'a pas été facile. Mais je pense que Auguste et Paul m'ont rattrapé au bon moment. Après voilà, j'avais juste à suivre et essayer de faire au mieux. Et alors je vais garder ma neutralité, mais le maillot est amplement mérité parce qu'il y en a beaucoup qui auraient craqué comme ça quand t'as sauté plusieurs fois, t'es revenu une première fois, t'as été redécroché et dans le final, dans le dernier faux plat avant de face, tu viens vraiment tout donner pour prendre ce maillot pour une petite seconde. Ouais, moi je savais pas que c'était pour une petite seconde, mais du coup ouais, c'était vraiment dur. J'ai mon directeur sportif Alex Paco qui m'encourageait. Qui m'a dit de pas lâcher. Après, moi, je sais que j'aime les efforts longs et réguliers, donc forcément, quand il faisait un peu des à-coups, bah, moi, ça me décrochait. Mais ouais, j'ai essayé de finir au mieux possible. Et du coup, si c'est pour une seconde que je prends le maillot, bah, ça valait la peine. Et puis, dernière question. Andrew et Paul semblent un cran au-dessus de tout le monde. Est-ce que c'est jouable demain dans le Colombier ? Il y avait une motivation particulière, le Colombier avec le maillot jaune. Absolument. Bah, je pense qu'on verra demain. Maintenant, je vais profiter voilà, d'avoir le maillot de l'étape que j'ai fait aujourd'hui. Après, voilà, on verra demain dans le Grand Colombier parce que ça va être une très longue ascension. Donc, avec les 4 jours déjà de course qu'on a dans les jambes, ça, tout peut se passer. Je verrai où moi j'en suis et où eux ils en sont et je ferai de mon mieux de toute façon. Allez, super. Et bien, on va savoir dans quelques minutes sur les pentes du Grand Colombier alors qu'on est en train d'essayer justement d'anticiper cette dernière difficulté. Benjamin Ivar vient de ressortir. Il est en compagnie d'un garçon que nous avons découvert hier sur l'étape, auteur d'une belle étape, c'est Gauthier Servranck. Les deux hommes ne sont pas dangereux au classement général, hein, plus de 4 minutes pour Servranck malgré sa belle prestation hier, et Benjamin lui de 50 minutes. Mais le peloton maillot jaune ne laisse sortir personne. Hein. Nous sommes maintenant au pied de la dernière difficulté de cet Imbugé Valromey Tour. Servranck qui insiste, coureur de FC, et donc 41 coureurs dans ce peloton maillot jaune. Alors on est impatient, bien entendu, d'avoir
les premières rampes pour voir qui va déclencher les hostilités. 5 coureurs en 45 secondes au classement général. Oui, certains en profitent encore pour faire un petit coucou à la caméra avant que la route s'élève. On va saluer Alex Franz. On aura beaucoup vu, et pas seulement pour dire bonjour durant ces 5 jours, alors que c'est bien Servanx donc, qui tente sa chance. Gauthier de son prénom, qui fait partie de ce collectif EFC. Qui avait terminé 5e de Tour des Flandres, qui avait été champion de Belgique, c'était la saison dernière. Et qui parmi ses hauts faits d'armes, eh bien, à la 8e place hier de l'étape. Gauthier qui tente sa chance, attention, hein, il a fait preuve de belles qualités de montagnard hier. Et il sera encore l'un des garçons à surveiller dans ce grand colombier. Et puis, lorsque vous êtes comme cela, très bon grimpeur, mais juste un tout petit cran en dessous des tout meilleurs, vous avez bien entendu intérêt à anticiper pour éviter tous les à-coups qui vont avoir lieu dans le peloton. Et on ne sait jamais si la bagarre tardait à se déclencher ou si l'on se regardait. Eh bien, Gauthier, avec un coup d'avance, pourrait pourquoi pas aller jouer l'étape. Même si la tendance voudrait vraiment une explication au sommet entre les tout meilleurs de cet imbugé Valremier Tour dans quelques minutes. On a Alex Vullier à l'écran, coureur de la Bourgogne-Franche-Comté, qui est encore présent dans le peloton. Coup de chapeau à Alex, parce que pour être encore présent dans ce peloton, alors qu'on débute l'ascension, voilà, c'est parti maintenant pour cette dernière ascension. Il faut être sacrément costaud pour être encore présent avec les tout meilleurs de cet imbugé Valremier Tour alors que l'ascension commence. Oui, et un petit coucou à la caméra pour Francesco Sangalli qui en a terminé. Oui, ça commence à aller trop vite pour le coureur italien qui est le premier coureur détaché de ce peloton fort de 41 coureurs. 40 coureurs désormais dans le groupe. C'est parti pour l'ascension du Grand Colombier, classé en hors catégorie. Secondes en faveur donc de Gauthier Servanx, et on nous annonce le deuxième peloton à 1 minute et 5 secondes. Et Gauthier a tout de suite à la sortie d'angle fort les premières rampes sévères dans cette ascension du Grand Colombier. Coureur belge toujours seul en tête, 15 secondes dans ce début d'ascension. On le disait, hein, rentré dans les 10 premiers hier, il a fait partie des coureurs qui étaient en deuxième échelon de course derrière l'échappé, le quatuor qui était à l'avant, plus Milan Doni que vous avez à l'écran et Aubin Sparfel, les deux coureurs d'AG Désert Citroën du 19 qui sont venus prendre 5e et 6e place sur l'étape. Course par élimination, hein, bien entendu, qui va débuter à l'arrière. Jakobsen n'est pas parmi les mieux placés. On a également Daniil Yakolev qui ferme la marche dans ce peloton. On retrouve également Nils Driessen dans les dernières places. Voilà les coureurs Uno X qui ont un dernier ravitaillement au pied donc de cette ascension. Alex Franz, ça va de plus en plus vite. Le peloton va perdre de nombreux éléments dans les minutes qui viennent sur les premières rampes du Colombier. Ouais, nous avons Arthur Blaise également dans les dernières positions. Ouais, Arthur Blaise décroché. Nous avons donc également donc Driessen sur le point d'être décroché alors que Gauthier Servan continue pour l'instant en tête de course. Tourne bien les jambes, on a décidé de prendre un petit braquet pour le début de cette ascension. Ah, et le peloton en train d'exploser dès le début de l'ascension.
semble qu'il y a Gabriel Berg également parmi les coureurs décrochés. Hugo Tapiz, c'est oui, le coureur de la Pomme Marseille qui craque à son tour. Décroché également, on est en train de remonter Axel Van Den Broek. Alors on regarde si parmi les coureurs classés au classement général, on n'aurait pas de coureurs à lâcher. Dorian Piquet, qu'on a beaucoup vu depuis 48 heures à son tour lâché. Pour le team Auto-Eder, c'est Christophe Kral qui est lâché. On a Barta également qui est décroché, un coéquipier. Pas eu le temps de voir, mais peut-être Lambert Wenzel, coéquipier de Paul Sexa. Je pense qu'il va falloir vite remonter parce qu'on a vu que la bagarre est en train de se déclencher. Est-ce que ce ne serait pas Milan Doni qui serait décroché ici? Coureur 6e du général décroché, pas au mieux dès le pied de l'ascension. Première information, Milan qui avait tenté d'anticiper et donc qui est décroché dès le pied donc, de cette ascension. Il y a un groupe avec Henri Neff également décroché. Il va être intéressant encore de remonter parce que c'est devant maintenant le peloton. Et on voit déjà le leader et Auguste et Sexas qui sont en train de s'isoler. Et bien voilà la réponse que nous attendions. Et bien Clemensen avait craqué hier. Et bien Baroumi est en train de craquer. Andrew Auguste est en train de tout faire voler en éclats. Le champion américain dès le pied du Colombien est en train de mettre tout le monde d'accord. Il y a un seul homme désormais qui peut l'accompagner. Paul Sexas, on rappelle qu'il y a 19 secondes d'écart entre les deux hommes. Andrew Auguste reparti comme hier. Paul Sexas dans la roue. Servank s'accroche et Baroumi n'a pu suivre. Le voici, Ilan Alexandre Baroumi qui se retourne, qui cherche ses coéquipiers, qui cherche peut-être des alliés désormais pour essayer de combler la brèche dans ce début d'ascension. Voilà Baroumi donc seul désormais pour défendre son maillot jaune, mais c'est mal embarqué dès les premières pentes de cette ascension avec Andrew Auguste donc qui a tout de suite fait le ménage. Paul Sexas est là et un petit peu comme hier, Jean-Loup Fayol avait pu les accompagner, mais ça c'était hier car aujourd'hui Jean-Loup n'est pas là. C'est un duel qui s'annonce sur les pentes du Grand Colombier. Ah, il est là, Jean-Loup Fayol, il est là avec le maillot jaune. Hein, début d'ascension, alors on sait que c'est très long hein, pour ce Grand Colombier. Andrew Auguste est déjà donc maillot jaune et que Paul Sexas serait deuxième pour le classement général. Voilà les deux hommes. Style différent, hein, Andrew Auguste bien posé donc sur sa machine alors que Paul est tendance en bas du cintre. Mais le coureur américain, en l'espace de quelques kilomètres, a fait le ménage. Alors on nous demande si on sait combien il y a de groupes. Eh bien, nous avions 142 coureurs au départ. Alors nous ayons 142 groupes, mais ce sera du chacun pour soi désormais dans cette ascension. Il y a beaucoup, beaucoup de coureurs lâchés. Paul Sexas qui se remet en danseuse. C'est qu'il allait essayer d'attaquer le champion américain. Il va bien tenter, Paul, bien entendu. J'ai envie de dire, peu importe s'il finit à 20 secondes ou dans le même temps que l'américain, il va falloir tenter quelque chose. Ah, et ça monte très, très vite hein, du côté du maillot jaune. Pourtant, avec le maillot bleu de Jean-Loup Fayol, on a Axel Vullier qui est là pour la formation de Bourgogne-Franche-Comté. Coup de chapeau, donc, Axel qui... fait une très belle ascension, très beau début d'ascension, alors que les deux hommes forts de Satinbugey Valromey Tour sont désormais au coude à coude. Et toujours notre champion américain qui jusque-là est insolent de facilité. On l'a vu hier très souvent donc mener le groupe. Et là, il ne demande rien à Paul Sexas. Il fait sa course. Et le champion américain est vraiment impressionnant. Alors attention, bien entendu. Attention à ces effets visuels. Hein. On sait que certains coureurs bien craquent d'un seul coup. Alors même si c'est pas même si ce n'est pas le style du coureur américain, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis on va compléter ce que certains disent sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Il faut rappeler que Paul est junior première année, juste 16 ans, alors que Andrew va sur et dans ses dernières semaines junior. Donc il y a un écart d'un peu plus d'un an entre
les deux hommes. Et à ce niveau-là, bien entendu, ça fait la différence. Mais on connaît le talent de Paul Seixas qui tout de suite a marqué de son empreinte son entrée dans cette catégorie des U19. Alors le groupe maillot jaune va perdre des éléments. Ouais, Jean-Loup Fayol, pas au mieux hein, en ce début d'ascension, beaucoup moins bien en tout cas qu'hier. Beaucoup donné Jean-Loup sur l'étape d'hier et cet après-midi c'est un petit peu plus compliqué. Alors si on peut avoir l'écart, on nous annoncerait 30 secondes entre le groupe Auguste et Seixas. Alors que Jean-Loup Fayol est en compagnie de Duart Marivouette, d'Axel Vullier, d'Aubin Sparfel, d'Ilan Alexandre Baroumi, de Vincent Baudet, Jacob Bouch, Mansur Ben Sebe et Jörg Seske qui composerait le groupe de tête, même si Jean-Loup est décroché. Donc là, c'est le deuxième échelon de course. Et on rappelle que les réseaux sont assez capricieux sur le Grand Colombier et que logiquement, on devait avoir une zone blanche. Pour l'instant, ça tient, on va croiser les doigts. Mais le duel annoncé, Seixas, André Auguste a bien lieu et avantage pour l'instant à l'Américain. Alors si cela restait en l'état, ce qui est sûr, c'est que André Auguste gagnerait le général si les deux hommes arrivent ensemble, puisqu'ils sont séparés de 19 secondes. Et avec le jeu des bonifications, Auguste en a rajouté 3 hier. Mais bien entendu, si les deux hommes arrivent ensemble, eh bien, quoi qu'il arrive, André Auguste remportera le classement général. Il y a Alexandre Baroumi, bien entendu, qui jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer de conserver son maillot jaune. On attendait la bagarre, mais on ne pensait pas qu'en l'espace de quelques hectomètres comme cela, les deux hommes feraient le ménage dès le pied de l'ascension. Le groupe maillot jaune, à une trentaine de secondes d'écart, ils ne sont plus très nombreux à l'accompagner. Aubin Sparfel, à même 40 secondes désormais, c'est Duart Marivouet, le quatrième du général, qui est en première position. Boucher là, donc le septième. On a le leader, on a Aubin Sparfel, donc qui est sixième au classement général. Coup de chapeau, donc on le disait à Alex Vullier, donc qui est très loin au classement général, 77e, mais qui fait une superbe étape. Le coureur de la Bourgogne-Franche-Comté encore présent avec les meilleurs. Et puis Jürgen Seske est 17e à 3,25. Voilà maintenant les derniers coureurs qui accompagnent le maillot jaune. Et Duart Marivouet, le quatrième du général, qui est toujours en tête de groupe. On doit avoir encore intercalé le coureur de FC. Je pense que c'est lui qu'on aperçoit au fond de l'image. Gauthier Servanx, donc, il doit être encore présent. Mais ils ne sont plus très nombreux autour du maillot jaune maintenant. Aubin Sparfel qui accompagne son leader. Alors on a Perry Cascap de Villa également qui serait là. Oui, c'est bien lui, coureur de la formation espagnole Tardesan qui est là. La bouche semble avoir disparu. Alors que devant, ils sont toujours ensemble, les deux hommes. Donc André Auguste. Voilà Baroumi, Villiers, Seske, Marivouette, Sparfel et Perry Cascap de Villa. Voilà les six coureurs qui sont donc dans ce peloton, entre guillemets, dans ce groupe maillot jaune désormais. Le classement général qui tend les bras à André Auguste, toujours en première position avec le maillot du team USA. Paul Seixas qui confirme tout son talent découvert chez les cadets. On rappelle qu'il avait été champion de France alors qu'il était cadet première année, alors qu'on nous annonce intercaler Baudet et Bouch. Hein. Vincent Baudet qui
retrouve de belles sensations dans cette fin de Valromé. Et Jacob Busch, le septième du général, qui a bien lui aussi peut jouer une place dans le top 5. Je pense que Vincent est juste devant le groupe maillot jaune. Oui, c'est bien le maillot du Team Joly 31. Et nous avons Jacob Busch qui doit être au fond de l'image. Voilà donc les coureurs qui sont intercalés. Busch qui est à 1 minute 13 de Baroumi qui peut jouer le podium. Oui. Ilan Alexandre Baroumi donc qui Jean-Louis se bat pour sauver à ce qui est sauvable encore. Hein, 35 secondes de retard. Oui, il se retourne pour voir s'il peut avoir un petit peu d'aide. Alors devant, c'est bien Vincent Baudet, hein, le coureur haut-garonnais qui est là, hein, qui avait perdu du temps le troisième jour sur la chute, et juste devant Gauthier Serre, ça doit être Gauthier Servant qui a été décroché par les deux hommes de tête. Voilà, Gauthier est là, le 7e et le 8e du général. Jacob Busch pour la Fenshaw, la formation britannique, et Gauthier Servant, le coureur belge de la formation EFC, qui a très intelligemment donc avait anticipé la bagarre, ce qui lui permet d'avoir un coup d'avance sur le groupe maillot jaune. Tiens, pour la première fois de l'ascension, Paul Seixas est passé en première position. Alors le coureur américain a consenti à avoir un relais où Paul sent qu'il peut faire craquer Andrew Auguste. Les deux hommes sont ensemble. Ils jouent la victoire d'étape et ils jouent le classement général. Paul qui avait dit qu'il tenterait quelque chose dans cette ascension. Voilà le deuxième groupe avec Busch et Servanc. Paul Seixas s'emmène. Andre Auguste en deuxième position. Jacob Busch troisième. Gauthier Servanc donc en quatrième position et un petit peu derrière. Le groupe maillot jaune a une quarantaine de secondes. Nous sommes dans les premiers kilomètres de cette ascension du Grand Colombier. Voilà, on annonce 30 et 50 secondes désormais. 30 secondes sur le duo, 50 secondes sur le groupe maillot jaune. Donc Andre Auguste, virtuel maillot jaune depuis de nombreuses minutes désormais. Voilà. Toujours notre duo, toujours également le duo qui chasse. Ouais, apparemment ça discute beaucoup. On a notre moto qui était à côté. Et on parle déjà de la victoire d'étape. Est-ce que tu me laisses la victoire d'étape? Je te laisse le général parce que je pense que on doit penser que du côté de Paul, on pense peut-être qu'on n'arrivera pas à décrocher l'Américain. Ou alors, bien, c'est une partie de poker menteur. On commence à bluffer entre les deux hommes. On rappelle que si les deux hommes arrivent dans cette configuration, pardon, même avec les modifications, Paul Seixas gagnerait, même s'il gagne l'étape, eh bien, se terminerait deuxième du général, alors que Servanc est en train de lâcher Jacob Busch. Et puis on arrive dans quelques instants à la zone blanche, la zone qui n'a pas de réseau, donc ce sera là qu'on fera un petit peu de radio si on arrive à avoir des infos, hein, car les infos ne remonteront qu'au compte-gouttes sur la ligne d'arrivée, et on retrouvera les images dans les trois derniers kilomètres. Et bien entendu, coup de chapeau à Paul Seixas, notre petit Français, hein, on le disait, junior première année, alors que l'on retrouve le groupe où Marivaudet est en train de sortir. Attention, c'est important pour le classement général, car il n'est qu'à 38 secondes de Ilian Alexandre Baroumi. Et Aubin Sparfel reste avec son leader. On sait que c'est très long du côté de Baroumi. On a bien reconnu cette ascension. Et attention, car c'est le podium qui est en train de se jouer. Et coup de chapeau à Axel Vullier, hein, le coureur de la Bourgogne-Franche-Comté, très éloigné au classement général et qui est bien présent
dans cette ascension. Voilà donc Marie Vouette qui vient de ressortir pour essayer d'aller chercher une place sur le podium parce que les deux premières semblent complètement promises. Donc désormais aux deux hommes que nous avons à l'image. Paul Sexas qui est à 19 secondes. Une journée se suit mais ne se ressemble pas hein, pour Jean-Loup Fayol qui se bat comme à son habitude mais qui ne vit pas l'ascension dont il rêvait. Il rêvait d'être aux côtés de ces deux-là, comme hier, pour jouer la victoire d'étape avec toujours Paul Sexas, toujours Andrew Auguste, déconcertant de facilité depuis 48 heures, le coureur américain, même si Paul fait bien entendu très forte impression depuis deux jours. On a envie de dire qu'il nous fait forte impression depuis trois ans maintenant. Alors que nous avons Milan Denis qui est désormais dans un groupe à l'arrière et Milan va perdre du terrain. Lui qui était sixième ce matin au classement général. Là tout à l'heure on nous demandait combien de groupes sur la route. Eh bien vous l'avez compris, ce sont des grappes de coureurs, seulement des tout petits groupes désormais qui sont sur la route du Grand Colombier. L'homme de tête c'était Paul Sexas et Andrew Auguste vient de prendre le relais. Désormais dans une des épingles, une des nombreuses épingles qui permettent de monter donc vers les 1501 mètres où culmine ce Grand Colombier. Et les deux hommes sont toujours en tête. 40 secondes d'avance sur le contre avec Servanc et plus d'une minute désormais sur le peloton maillot jaune. J'ai un petit sourire d'un Français. Ouais, on a le deuxième de l'année dernière, hein. Maxime Decomble qui ne vit pas les mêmes moments que l'année dernière. Le coureur marseillais en retrait par rapport à l'année dernière. Andrew Auguste, Paul Sexas toujours en tête. Quel duel nous aurons eu sur cet AMUG Valromé Tour. Et on va retenir les deux noms parce que ne serait pas étonnant de revoir dans les prochaines années ce duel sur d'autres épreuves et à un autre niveau. Car nous avons là deux des meilleurs juniors de leur génération. Et je parle au niveau mondial, hein, non pas au niveau national pour Paul. On le sait qu'il fait partie des tout meilleurs au niveau français. Mais il est en train de s'affirmer. Au plus haut niveau, il l'a déjà fait dans la Coupe des Nations ces derniers mois, alors que nous avons la caravane publicitaire qui est en train de nous rejoindre. Deux heures de course. Ouais, voilà la caravane qui est en train d'arriver sur la ligne située au sommet du Grand Colombier. Voilà, c'est à partir de là que nous allons prendre la route commune à celle du Tour de France. Ça fait déjà 6 minutes. Nous sommes un petit peu plus de 9 km de l'arrivée. Et c'est à partir de là que les réseaux sont extrêmement capricieux. C'est à partir de là qu'on était un petit peu inquiets. Vous voyez, je parlais de peinture sur la route. Et bien voilà, nous sommes maintenant donc dans les 9 derniers kilomètres. Merci à ce photographe qui a ravitaillé les deux coureurs dans ces derniers kilomètres. Voilà, Andrew Auguste toujours dans la roue de Paul Sexas. Alors bien entendu, Paul a tout intérêt à collaborer avec Andrew Auguste pour aller chercher déjà le maillot blanc, hein, le conforter et aller chercher une deuxième place au classement général final. Et puis on ne sait jamais hein, si l'Américain venait à craquer dans les derniers kilomètres. Il y aura 19 secondes à combler. Paul Sexas donc qui avait pris le relais à l'Américain. Andrew Auguste qui reprend le relais à Paul. Alors que là, nous sommes à l'arrière de la course. Et notamment avec Davide Donati, hein, coureur italien, maillot grand ouvert et qui est malgré tout souriant puisqu'il sait qu'il repartira du côté de Trévi-Glisier avec ce maillot du classement des sprints. Il lui faut tout simplement maintenant franchir la ligne dans les délais, ce qui sera largement le cas puisqu'il n'est qu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Hein. Andrew Auguste, Paul Sexas, 30 secondes d'avance sur Servanc, 40 sur Jacob Busch. Sexeux et Baudet seraient intercalés à 45 et 55 secondes. Marie Vouette, Vullier, Baroumi, Sparfel et Perica Capdevila seraient ensemble, ce qui voudrait dire que
que Marumi serait revenu sur Duarte-Marivette pour la troisième place du podium, hein, car pour les deux premières, ça semble promis donc à Andrew Auguste et à Paul Seixas. Et situation de course très limpide, donc ce duo et puis le reste du peloton, on a envie de dire, non plus sérieusement ce duo, et ensuite des coureurs donc disséminés sur les pentes du géant jurassien du Grand Colombier, donc avec le maillot jaune à près d'une minute. Fayol qui jouait l'étape est à plus d'une minute 20, et puis le top 10 du classement général qui a eh bien, à coup de seconde, donc, se bat pour prendre la meilleure place. Information importante en ce qui concerne ce classement, c'est Milan Doni donc, qui a été sans doute définitivement décroché. Donc, lui va perdre beaucoup de terrain ce soir. Coureur belge qui aura été l'un des coéquipiers importants dans cette formation AG2R Citroën. Clemensen a disparu également de la situation de la course, donc rejeté un petit peu plus loin. On n'a pas de nouvelles de Baptiste Grégoire, de Mika Winkel. Donc vraiment les sept premiers, donc Bush qui pourrait gagner une place par rapport à Doni. Sparfel devrait également conserver, si la situation en restait là, une place dans les cinq premiers. Mais pour les deux premières places, elles semblent promises aux deux hommes qui sont là. Quelle découverte à cet Andrew Auguste. Il avait été champion des États-Unis du chrono, champion des États-Unis de cyclocross. Brillé bien entendu sur l'ensemble des épreuves du continent nord-américain que nous connaissons un petit peu moins. Et puis bien entendu, hein, un garçon qu'on avait déjà vu sur les épreuves européennes, hein, deuxième de la course de la paix, deuxième de la ronde des vallées. Bon, ça c'était l'année dernière. Hein. Des vallées, vous êtes en Bretagne, hein, et le coureur américain donc, qui avait pris la deuxième place derrière un autre anglophone, c'était Joshua Goliker, le coureur du Team 31 Joly. On parlait de la formation, eh bien Goliker est l'un des derniers à être passé donc pour la formation du Team Joly, et Joshua Goliker qui est désormais dans la formation continentale de Marc Madiot. Voilà donc les deux hommes qui sont en tête. Croise les doigts côté réseau pour l'instant, ça se passe bien. On est dans les 8 derniers kilomètres de cette ascension. Je ne vais pas trop parler des réseaux. Hein. Il est suffisamment de parler. On ne peut pas trop parler des réseaux. Donc Paul Seixas qui a repris la tête. Andrew Auguste en deuxième position. Explication au sommet entre les deux hommes forts donc de cet Abugé Valremé Tour. Seixas donc qui a pris le relais. Andrew Auguste toujours assis sur sa selle. Hein. On voit que Paul relance plus souvent en danseuse, même si là ce n'est pas le cas. Et aucun montre de signe de faiblesse. On a vraiment cette sensation que les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. Derrière, les écarts sont en train de se creuser. Hein. Plus d'une minute pour le groupe Marivouet Barumi. Alors, si on peut, 7 km de l'arrivée, si on peut nous confirmer que Barumi est revenu sur Marivouet, c'est important pour la place de troisième sur le podium. Alors, Duarte Marivouet, donc qui avait pris quelques mètres tout à l'heure au maillot jaune. Voilà les deux hommes. On est
Là, nous avons le groupe Milan Doni qui était plus loin, donc on va faire remonter une moto pour avoir de nouvelles infos. Il y en a un petit peu partout hein, sur les pentes du Grand Colombier. Alors ça, ce sont les petits écriteaux que vous voyez lorsque vous faites du vélo, que vous voyez prochain kilomètre 7, 8, 9%, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça le... Voilà, alors que là nous avons Gauthier Servanc en troisième. Alors on avait Setzke et Bouche qui étaient intercalés également. Vincent Baudet lui aussi fait une belle ascension. Alors si on regarde Bouche, il est à 1.13 de Baroumi. Donc pour l'instant ça tiendrait pour le podium pour Baroumi à condition d'être revenu sur Duart-Marivoet. Et il est là Duart-Marivoet. Alors où est le maillot jaune? Oui, ouais, on a dépassé le coureur du team Auto Eder. On n'a pas vu le maillot jaune. Alors est-ce que le maillot jaune serait au-dessus du coureur de la Auto Eder? Alors je vais pas m'avancer parce que je me méfie de ce qui est annoncé sur nos écrans. On a eu quelques déboires cette semaine, donc on va vraiment attendre de voir la situation de course pour voir où est le maillot jaune. Alors Marivoet, ce qui est sûr, est seul sur la pente. Voilà le groupe maillot jaune. Le groupe maillot jaune toujours avec Axel Vuillet. Coup de chapeau vraiment au coureur bourguignon, toujours au Ben Sparfel. Nous avons la présence également dans ce groupe d'un coureur de la formation UnoX, ça doit être Jürgen Seske. Alors c'est pas Seske, c'est la présence de Pericas Capdevila, donc ils sont plus que deux aux côtés du maillot jaune. Oui, Bouche et Seske seraient eux en 4e et 5e position, alors que nous retrouvons les deux hommes de tête. Robin Sparfel, donc équipier modèle d'Ilian Alexandre Baroumi. Belle ascension également d'Adria Pericas Capdevila. Juste devant, je pense que c'est Vincent Baudet hein, qui navigue avec quelques dizaines de mètres d'avance sur le groupe maillot jaune. Alors si on peut appeler ça un groupe, le trio avec Baroumi. Et je pense que Marivoet a été repris et distancé par le maillot jaune. On va attendre confirmation, mais le maillot jaune qui ferait une ascension très régulière et qui essaie bien entendu de sauver le maximum de choses et peut-être une place sur le podium. Alors devant, c'est bien Vincent Baudet qui est là. Pierre, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec eux? Alors toujours notre duo. Alors comme on le disait tout à l'heure, hein, on voit que Paul relance plus souvent en danseuse que Andrew Auguste qui reste très souvent assis sur sa machine. Grosse force de rein hein, du côté du coureur américain. Un style un peu moins aérien, hein, mais un style ô combien efficace pour le champion américain. C'est ce que nous disait Paul hier, hein. Ce sont les longues périodes où Andrew Auguste vous met un petit peu au supplice, hein, assis sur la machine, ça accélère, et toujours compliqué. Voiture qui s'arrête, bon signe hein, pour Ilian Alexandre Baroumi qui est en train de faire une deuxième partie d'ascension extrêmement solide, hein, en train d'essayer de revenir sur Vincent Baudet. Ah, Ilian vraiment qui aura défendu son maillot jaune. Mais les écarts donc sont en faveur des deux hommes de tête. Baroumi qui tente de revenir sur Vincent Baudet. Alors c'est une bonne chose comme cela d'avoir un coureur en point de mire et que vous êtes en train de reprendre. Alors on aperçoit des voitures rouges au fond.
il serait pas étonnant que Baroumi ait repris les coureurs qui étaient intercalés. Il doit rester Servant, qui doit rester Setzke et Bush, alors que Paul Sexas se retourne. Andrew Auguste dans la roue. Alors les pentes sont un petit peu moins prononcées sur le final. Attention quand même au dernier kilomètre. Les pourcentages sont moins importants et on voit la puissance du coureur suisse qui, un peu comme hier, est en train de, alors pour l'instant, non pas rétablir la situation comme il l'a fait hier, mais en train de venir chercher les coureurs qui le précèdent sur les pentes du Grand Colombier. Ça devient dur pour Robin Sparfel, le Vosgien, le coéquipier Dylan Alexandre Baroumi, donc vraiment au maximum de son effort. Il se bat pour accompagner son leader, même si il ne lui de plus d'aucun secours, mais c'est toujours important d'avoir un coéquipier à ses côtés, toujours pour encourager, pour passer tout simplement un bidon ou un dernier relais dans un replat. Et coup de chapeau à Aubin, vraiment qui se bat pour reprendre sa place et tenir la roue de Pericas Capdevila, le coureur espagnol, et d'Alexandre Baroumi, son leader. Et puis Aubin Sparfel qui joue également une place dans les 5 premiers. Voilà, c'est la zone qu'on craignait à 5-6 km de l'arrivée. Et l'on retrouve cette ligne d'arrivée au sommet du Grand Colombier de l'Imbugé Valremé Tour. Donc ils ne sont plus que deux en compagnie du maillot jaune. Essayer d'avoir malgré tout des informations et des images avec notre duo de tête que nous retrouvons avec une nouvelle fois Andrew Auguste, dossard 171 maillot de l'équipe nationale des États-Unis, Paul Sexas, coureur du vélo club Villefranche-Beaujolais, et qui porte le maillot blanc et cuissard blanc. Là aussi, on a bien fait les choses du côté de Villefranche. Cuissard blanc et maillot blanc de leader du classement des premières années. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Virage à droite et pente un peu moins prononcée désormais. On va traverser une longue partie boisée qui va ramener les coureurs sur un plateau à 3 km de l'arrivée. Plateau un petit peu mettre la vue du Grand Colombier. On va remercier Clément qui, avec son drone, nous permet de vous présenter ces images. Rappelez que lorsque vous êtes sur le géant jurassien, vous avez une vue sur le Rhône, sur le défilé de l'Écluse, sur le lac du Bourget. Vous pouvez apercevoir la ville de Genève. Vous pouvez également apercevoir les Alpes bernoises. Voilà en ce qui concerne cette vue somptueuse et théâtre de cette arrivée du final de ce 35e Imbugé Valremé Tour. Coup de chapeau à l'équipe d'organisation, à Jean-Marc Vivier et toute son équipe qui ont tracé un beau 35e Imbugé Valremé Tour. On est monté en puissance tout au long de la semaine. Étape reine hier de montagne, une vraie étape de montagne proposée pour ces juniors. Certains n'ont pas manqué de remercier, de féliciter l'organisation pour cette étape, même si elle a été terrible. Les coureurs étaient unanimes sur la qualité du parcours proposé hier. Et puis aujourd'hui, cette arrivée sur le Grand Colombier, alors que Gauthier Servant, qui est toujours en troisième position, voilà, on fait un peu de radio, Sexas, Andrew sont toujours en tête. Et Gauthier Servant serait en troisième position de la course pointée à 30 secondes du duo de tête. Voilà en ce qui concerne les positions. Et ça nous permet de voir que notre écran est éteint du côté de la ligne d'arrivée. Voilà donc Gauthier Servant pointé à 30 secondes du duo de tête. Le Belge qui peut-être dans un dernier effort arriverait à se joindre à eux pour pourquoi pas donc jouer la victoire d'étape. Vincent Baudet est repris par le groupe maillot jaune à l'instant même. On avait vu, voilà, alors qu'on retrouve les images à 4 km de l'arrivée. Je le disais, les pentes sont moins prononcées. Il y a un replat donc jusqu'à 3 km de l'arrivée. Donc Aubin Sparfel qui se bat toujours dans le groupe du maillot jaune pour conserver sa place, pour accompagner jusqu'au bout le leader. Donc, et puis Sparfel qui joue bien entendu joue une place dans les 5 premiers, menacé par Jacob Busch, le coureur de la Fanshawe. Jacob Busch qui était 7e ce matin à 1 minute et 13 secondes. Alors ça tient toujours pour le maillot jaune pour la troisième marche du podium, car il semble que Marie Bouette a été décroché. Donc il avait attaqué puis a été
distancé. Voilà donc maintenant la menace s'appelle Jacob Busch et c'est surtout une menace pour Sparfel puisqu'il y avait 29 secondes entre les deux hommes. Là on joue une place dans le top 5. Et puis vous qui nous avez suivis pendant 5 jours, on va bien entendu en profiter avant de vous faire vivre les dernières minutes de cet AMUG Valromé Tour. On va vous remercier de votre fidélité durant ces 5 journées. Et puis de très très nombreux bénévoles à encadrer, Jean-Marc Vivier, tout le bureau d'organisation pour organiser cette formidable épreuve par étapes junior. Ouais, maillot jaune annoncé à 1:30 alors que Jacob Busch aurait 45 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune, ce qui voudrait dire que Jacob Busch devrait rentrer dans les 5 premiers. Alors il y a pas de, on n'a plus de nouvelles du coureur du Timoto Eder, Marie Vouette, donc peut-être même la 4e place alors qu'on est à 3 km de l'arrivée pour le duo tête. On rappelle l'équation, 19 secondes entre les deux hommes à l'avantage donc d'Andrew Auguste. Donc Busch est à 45 secondes, Servant qui était toujours annoncé à une trentaine de secondes. Voilà, la route se cabre une nouvelle fois donc après cette partie en forêt. Voilà, on est sur des routes un peu plus dégagées mais sur des pourcentages un peu plus marqués désormais dans le final de cette étape. Toujours Busch en première, toujours Auguste en première position, en danseuse Paul Sexas et derrière donc Servanque et Jacob Busch pour les places d'honneur. André Auguste qui se retourne pour voir la situation. Aucune inquiétude pour le coureur américain qui semble bien parti pour inscrire son nom au palmarès de cet AMUG Valromé Tour. Paul Sexas aussi se retourne. Il doit y avoir une partie de bluff également entre les deux hommes. Voilà Paul qui a regardé là, qui a jeté un coup d'œil sur la roue libre du champion américain. 19 secondes d'écart entre les deux hommes au classement général. En faveur d'Andrew Auguste, donc très serein hier à l'arrivée au plan d'automne. Et ces deux hommes eh bien, seront deux hommes à suivre dans cette fin de saison junior. Et suivez bien cette fin de saison. Notez bien les tout premiers qui vont arriver au Grand Colombier car ces noms, vous les retrouverez dans les prochaines années. Et vous les retrouverez, n'en doutons pas, au prochain championnat du monde. Voilà, les meilleurs coureurs U19 de la planète qui étaient présents sur les 5 jours du Valromé. On distingue le sommet. Vous avez sur la droite, là-bas au bout, voilà, vous voyez un rocher donc un petit peu plus au-dessus des autres. Eh bien, c'est là-haut le Grand Colombier. Nous sommes dans les 3 derniers kilomètres. Andrew Auguste emmène Paul Sexas en deuxième position. Alors, si les deux hommes arrivent ensemble, Andrew Auguste pourra même offrir la victoire d'étape à Paul Sexas car lui gagnera le classement général. Ça se passe souvent comme ça sur des courses cyclistes. Lorsque vous vous retrouvez donc comme ça dans un mano à mano, eh bien l'un gagne le classement général, l'autre est récompensé de sa collaboration pour la victoire d'étape. À moins que Paul Sexas eh bien, tente quelque chose dans les 3 derniers kilomètres. Mais on sent bien que le coureur américain semble le plus fort dans cet AMUG Valromé Tour. Voilà, court relais de Paul. Et tout de suite, donc, Andrew Auguste qui se remet en première position. Alors, Boucher et Tseske sont toujours derrière Servant qui fait une sacrée ascension. Les images qui reviennent. Voilà, nous sommes vraiment dans les tout derniers kilomètres de cette ascension. Alors là, qui c'est que nous allons retrouver? Servanck en troisième position, c'est confirmé. Paul Servanck est toujours troisième, le coureur belge. Beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée qui nous a rejoint donc pour le final de cette étape et le final de cet AMUG Valromé Tour. Voilà donc les dernières minutes de cette édition 2023 qui aura tenu toutes ses promesses
les meilleurs juniors de la planète étaient présents. On rappelle tout simplement que le vainqueur sortant, donc Emil Herzog, était devenu l'année dernière, quelques semaines plus tard, champion du monde au terme du Valromé. Donc c'est le passage obligé pour briller au plus haut niveau. Gauthier Servanc est toujours à 30 secondes. Alors, la flamme rouge annoncée pour les coureurs, ça ne devrait plus tarder désormais à revenir vers nous, donc les images. Il semble que ça va un peu vite quand même pour aller chercher la flamme rouge, car on avait les coureurs à 3 km. Andrew Auguste et Paul Sexas, donc toujours ensemble. Encore une fois, on va remercier tous ceux qui nous ont suivis pendant les 5 jours. Nous avions commencé avec... un contre-la-montre par équipe dominé par la formation allemande du Team Otto Eder. On se disait alors que les Allemands étaient bien partis pour faire le festival qu'ils avaient effectué la saison dernière. Mais le lendemain, David et Donati s'imposaient du côté de Belé. Un final chaotique lors de la troisième journée avait vu la victoire de Senarinic du côté des Avenières, le coureur d'Acroc Thormann, et puis hier donc sur les plans d'automne, alors que la voiture de Jean-Marc Vivier est en train de nous rejoindre sur la ligne. Alors on va se tourner vers tous ceux qui vont nous accompagner dans les minutes qui suivent pour les interviews. On espère bien entendu avoir Jean-Marc à nos côtés. Donc le message est passé en régie. Jean-Marc Vivier absolument attendu dans la cabine pour nous donner ces impressions. Voilà, nous sommes à quelques instants de l'arrivée. Je terminais donc avec les plans d'automne hier et la victoire. Donc Andrew Auguste qui s'était imposé. Andrew Auguste bien parti pour inscrire son nom au palmarès de cette édition 2023, la 35e édition. On rappelle le général Ilan Alexandre Baroumi n'avait qu'une seconde d'avance sur le coureur américain que nous retrouvons à l'image avec Paul Sexas. Les deux hommes sont encore ensemble et Andrew Auguste donc devrait s'imposer au classement général. Est-ce que la victoire va revenir à Paul Sexas pour l'étape? Voilà le dernier suspense. La flamme rouge est passée pour les deux hommes. Voilà, on s'excuse d'avoir perdu les réseaux comme cela, mais j'ai presque envie de dire qu'on les a moins perdus que ce qui était prévu sur la carte des réseaux. On avait vraiment très peur entre 9 km et 3 km de l'arrivée. Donc les deux hommes dans le dernier kilomètre désormais. Voilà donc Andrew Auguste en première position. Paul Sexas dans la roue, 500 mètres. C'est gagné pour le classement général pour Andrew Auguste, le champion américain qui va inscrire son nom au palmarès. Il reste encore une ligne de suspense, c'est savoir qui va inscrire son nom au sommet du Grand Colombier pour l'étape. Andrew Auguste emmène Paul Sexas dans la roue. Il y a des secondes de modification, mais qui n'auront aucune incidence pour le classement général pour les deux hommes. 19 secondes les séparaient ce matin et l'attaque de Paul Sexas. Regardez Andrew Auguste qui revient. Voilà donc Andrew Auguste qui revient dans la roue de Paul Sexas. Hein, il y a eu les deux hommes ont discuté en ce qui concerne la victoire d'étape, mais le champion américain a envie de tout croquer, semble-t-il. Il ne laissera pas comme cela la victoire d'étape à Paul Sexas. Andrew Auguste dans la roue du jeune Français. Le maillot blanc lui est promis. Pour le maillot jaune, il faudra sans doute attendre 12 mois supplémentaires car il partira du côté de New York, ville de naissance d'Andrew Auguste, le champion américain qui va s'imposer, c'est sûr, pour le classement général. Quel mano à mano pour la victoire d'étape. Attention parce que Gauthier Servanc qui est annoncé à moins de 30 secondes. Il ne faudrait pas que le coureur belge revienne. Et le maillot jaune qui se bat pour conserver quelque chose et conserver une place dans les trois premiers du classement général. Encore Paul Sexas qui se retourne. Nous sommes aux 200 mètres. Voilà, on retrouve les hommes avec l'arrivée, avec Andrew Auguste en première position, avec Paul Sexas en deuxième. Nous allons les avoir dans la courte ligne droite d'arrivée. Est-ce que c'est le coureur américain qui va venir s'imposer? Ah, il va s'imposer, doublé pour Andrew Auguste qui s'impose. Paul Sexas est deuxième. Bien entendu déçu, mais il n'y avait rien à faire face à Andrew Auguste qui va tout gagner. Étape et classement général pour le coureur au maillot de l'équipe nationale des États-Unis. Doublé, et c'est vrai qu'une victoire comme celle-là, ça ne se refuse pas. Andrew Auguste réalise le doublé, classement général et victoire d'étape. Quelle ascension il a réalisé, Servanc,
devrait en terminer dans quelques instants. Troisième position, le coureur belge sur la ligne d'arrivée a au bout de lui-même une place dans le top 5 du classement général. Quelle ascension pour Gauthier Servent, quelle ascension également pour Jacob Busch qui va en terminer. On a Paul Sexque qui termine quatrième. Sexque est quatrième, Busch sera cinquième. Voilà en ce qui concerne les cinq premiers de l'étape. Et maintenant, nous allons attendre l'arrivée d'Ilham Baroumi qui va tout donner. Attention à Busch pour le podium. Attention également donc à Servent. Gauthier Servent qui était à 4 minutes au général. Hein. Il va remonter des places mais sera quand même très loin d'un top 5. Et nous allons retrouver donc dans quelques instants le maillot jaune qui devrait en terminer. On avait également Vincent Baudet qui était parmi les tout meilleurs aujourd'hui. Nous allons retrouver Vincent dans quelques instants sur la ligne d'arrivée, le coureur de la Haute-Garonne qui a réalisé une formidable étape également. Voilà donc l'arrivée des coureurs donc, sur la ligne d'arrivée avec Vincent Baudet qui était 24e du général et qui se sera bien battu aujourd'hui pour conserver une place parmi les 20 premiers. D'autres coureurs sur la ligne avec Pericos, le coureur espagnol qui en termine, Pericas Capdevila, pardon, qui vient chercher une place d'honneur pour Ilian Alexandre Baroumi. Ça aurait été difficile dans cette ascension, mais il franchit la ligne et on peut penser qu'il va conserver une place dans les trois premiers. Il a tout donné, Ilian Alexandre, mais il y avait plus fort sur cet imbugé Valromé Tour et le plus fort s'appelle Andrew Auguste qui gagne le classement général au terme de cette ascension vers le Grand Colombier. Andrew Auguste, vainqueur final. La deuxième place donc pour Paul Sexas. Deuxième de l'étape et deuxième du général. D'autres coureurs sur la ligne. Hein, ça arrive un par un désormais. Aubin Sparfel, le coéquipier du maillot jaune. Les coureurs qui finissent au bout de l'effort. Au terme de ces 17 km d'ascension, voilà Aubin Sparfel sur la ligne qui vient prendre une belle place parmi les 10 premiers. Ce sera le cas également au classement général. On peut le placer, je pense, 5e ou plutôt 6e du classement général, même si Duart Marivouette a perdu beaucoup de terrain. Alors celui qui va faire la bonne opération, c'est Jacob Busch qui devrait rentrer dans les 5 premiers ce soir. Le coureur de la Fenshow qui a fini très fort. Un coup de chapeau à Axel Vullier qui franchit la ligne. Le coureur de la Bourgogne, auteur d'une sacrée performance aujourd'hui. Coup de chapeau au petit gabarit venu donc du SCO Dijon qui prend, je pense, une place dans le top 10. Ah, ça va tellement vite et on a tellement de choses à voir. Voilà, Duart Marivouette, le coureur belge de la Auto EDR qui jouait une place dans les 5 premiers. Franchit la ligne maintenant. La deuxième partie d'ascension a été terrible pour le coureur belge, repris dans un premier temps par le groupe maillot jaune alors qu'il tentait de, il était sorti à un moment et il pouvait jouer une place sur le podium et qui a rendu les armes dans les derniers kilomètres sur cette magnifique ligne d'arrivée tracée au sommet du Grand Colombier. Vous voyez, vous avez l'une des courses références dans la catégorie junior. Et bien, vous avez une ligne d'arrivée de référence avec toutes ces installations, avec l'ensemble des prestataires de services qui sont aux côtés des organisateurs. C'est une magnifique ligne d'arrivée qui est au sommet de ce Grand Colombier. Voilà, je vais réitérer ma demande alors que Jean-Loup Fayol est en train d'en terminer très loin des coureurs qu'il avait réussi à accompagner hier. Et dans quelques instants, je pense qu'en interview, nous allons retrouver donc les protagonistes de la journée. Et on va passer du côté studio dans quelques secondes. Voilà, nous nous retrouvons en plateau alors que Paul Sexas est gentiment venu à nos côtés avec le maillot blanc. Il est en train d'ailleurs, Paul, de revoir les images de l'arrivée. Paul, on t'a vu déçu, mais il n'y avait pas grand-chose à faire face à Andrew, encore une fois. Oui, je pense que j'ai fait de mon maximum. Mon sorti regret, c'est de ne pas l'avoir attaqué plus, mais lui, ce qu'il faisait, il essaie de me calmer un peu, mais il a bien géré son effort. Et puis, le sprint, ça ne s'est pas joué grand-chose, ça aurait été aujourd'hui au même niveau. Et bravo à lui.
Je rappelle que tu es première année, hein, tu es l'un des plus jeunes du peloton, c'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est sûr, c'est déjà pas mal d'être deuxième. J'étais venu ici pour gagner, je fais deuxième malgré mes belles courses, donc voilà, le plus fort à gagner, je pense. Allez, Antti Behr, merci beaucoup, merci à Paul et félicitations pour sa deuxième place. Alors, on aimerait bien voir Jean-Marc Vivier à nos côtés, donc l'organisateur de Saint-Imbugey Valremey Tour, pour avoir ses impressions, car on a vraiment vécu une semaine tout à fait exceptionnelle, alors que les coéquipiers du vainqueur, c'est Henri Neff qui franchit la ligne pour la formation américaine. On a également Fritz Kölle, le champion d'Allemagne, qui franchit la ligne. Donc, victoire finale au classement général pour André Auguste, le coureur américain. Je ne sais pas si Vincent peut avoir Jean-Marc Vivier à nos côtés pour conclure. On va rappeler le classement final. Donc, victoire d'André Auguste, le coureur américain. La deuxième place qui est revenue donc à Paul Sexas. Pour la troisième place du podium, eh bien, ce sera Baroubi ou Bush qui devrait normalement terminer troisième de ce classement général. On va terminer avec l'organisateur de cet Saint-Imbugey Valremey Tour. On va essayer de le retrouver. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le classement général, à l'instant même, merci à nos équipes. Donc, Ilian Alexandre Baroubi a réussi à garder la troisième place. Jacob Busch, quatrième. Aubin Sparfed, cinquième. Duarte Marivaux est sixième. Jorge Setzke prend la septième place. Milan Domingue a conservé une place dans les dix premiers. Vous voulez passer au casque ou au micro ? On a eu des problèmes de casque Vincent, pendant le direct. Jean-Marc, comment ça va ? On va encore une fois, alors, on va se décaler un tout petit peu pour que tu prennes bien la lumière, même si je sais que tu n'aimes pas bien ça. On voulait te dire un grand merci parce que nous, on a vécu 5 journées exceptionnelles. Les coureurs aussi ont vécu 5 journées exceptionnelles. Bravo à toutes tes équipes pour avoir l'exemple aujourd'hui est flagrant, pour avoir une ligne d'arrivée digne des plus belles courses du monde chez les juniors. Merci. Bah écoute, oui, hier soir, tous nos camions sont arrivés parce qu'on a voulu se prépositionner. Ça permet de régler éventuellement un problème, d'avoir la nuit pour régler un problème. Ce matin, dès 8h30, ils ont été là, ils ont monté. On avait quelques inquiétudes sur la possibilité de monter le portique, puisqu'il y avait beaucoup de vent. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu une photo tout à l'heure et que j'ai vu que le portique était allumé et était mis en place. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une arrivée grandiose. J'avais les élus de la mairie de Yenne. Ils m'ont dit « Ah, mais il y a même les panneaux de la ville de Yenne sur la ligne d'arrivée. » Donc voilà, c'est très très bon, très très bon moment, un très beau vainqueur. Alors personnellement, je le salue, je suis content qu'il ait gagné. Il ne connaît pas encore, il est jeune. Moi, j'aurais laissé gagner le Français, sachant qu'il prenait le maillot jaune. Mais bon, félicitations for your victoire. Félicitations. Merci. Alors, vous qui nous a rejoint, c'est ta plus belle victoire. It is your greatest victory. Yeah, I think it's definitely one of my best victories I've ever had. Especially, I think it was a tough day because maybe to our line members coming into the climb and they were being aggressive. And yeah, I think it's maybe the most prestigious junior race to win. So yeah, it feels me. Merci et puis félicitations pour la victoire. Donc il nous disait oui, c'est ma plus belle victoire donc de ma jeune carrière. En plus je gagne au sommet donc aujourd'hui au Grand Colombier. Et puis Paul a fait une course très agressive hein, dans les derniers kilomètres, mais j'ai réussi à le contenir et à venir m'imposer. Alors c'est vrai qu'on pouvait penser qu'il allait laisser la victoire d'étape à Paul Sexas, mais une victoire au Grand Colombier, ça ne se refuse pas dans une jeune carrière. Donc victoire d'étape et classement général pour André Auguste, la deuxième place pour Paul Sexas. Ilian Alexandre Baroubi prend la troisième place du classement général. Voilà, je pense que nous allons conclure comme ça. Un grand merci à toutes les équipes de Black Hole Live qui vous ont fait vivre ce final de feu aujourd'hui dans ce Grand Colombier. Le sprint pour terminer cette retransmission et la victoire du coureur à la bannière étoilée. Victoire totale, victoire d'étape. C'est la deuxième en deux jours et classement général pour André Auguste, Paul Sexas. Un excellent deuxième. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite. Je vous rappelle l'un des rendez-vous du mois d'août. Nous serons sur la Coupe de France chez les professionnels. Ce sera la Polynormande le 13 août prochain. Salut et à très vite. Voilà.